Donc, on va directement commencer dans le vif du sujet avec la présentation. Donc, de quoi va-t-on parler ce soir? Ben voilà, on va parler ce soir des bases du financement, donc les bases de l'immobilier locatif. Donc, pourquoi investir en immobilier? Quelles sont les notions de base de l'investissement immobilier? Encore une fois, surtout de l'investissement immobilier locatif. On va pas parler de beaucoup de choses en dehors de l'immobilier locatif. Et on verra aussi quels sont les effets de levier dans l'immobilier locatif, principalement aussi vers le financement, pour justement après transitionner sur la partie financement proprement dite. Donc, bien comprendre la banque. On va parler des prêts à 125% qui intéressent beaucoup de gens. Et on va voir comment obtenir son prêt. Donc, comment faire en sorte pour que la banque ait envie de nous prêter de l'argent. Et après, mais comme promis, pour ceux qui sont encore là, il y aura quelques petits cadeaux. Et ensuite, nous passerons aux questions-réponses. Alors, commençons directement dans le vif du sujet. Pourquoi investir dans l'immobilier? Alors, il y a plusieurs piliers d'investissement qui existent. Et donc, pourquoi justement l'immobilier? Pourquoi pas la bourse? Pourquoi pas lancer un site e-commerce, par exemple? Mais l'immobilier, pour moi, ça a une particularité bien précise comparée aux autres types d'investissement locatif. Tout simplement, c'est un des seuls investissements pour lesquels la banque va vous prêter de l'argent. Donc, vous allez pouvoir aller à la banque et leur demander un prêt, un crédit pour investir en immobilier. Essayez d'aller voir votre banquier et demandez-lui 100 000 euros pour investir en bourse. Je ne crois pas que ça va être si facile que ça de les obtenir. Par contre, justement, en immobilier, on peut utiliser l'effet de levier des banques et c'est possible, dans certaines conditions, de partir de zéro, d'avoir une banque qui vous prête tout. Ensuite, on va voir, donc, il faut créer de la valeur aussi, c'est un investissement, donc on va créer de la valeur et il y a plusieurs possibilités avec l'immobilier de créer de la valeur. La location, l'achat-revente, encore une fois, aujourd'hui, on va se focaliser sur la location, mais l'achat-revente est aussi une possibilité et dans tous les cas, on crée de la valeur, soit en faisant des travaux, en faisant de la division, en choisissant un mode d'exploitation qui permette justement de créer plus de valeur. Une autre raison principale de l'investissement immobilier, c'est ça répond à un besoin primaire de la population. Donc, on va parler bien entendu de la crise. On est en Covid et la crise a impacté beaucoup de choses, mais on se rend compte que ben, quoi qu'il arrive, les gens ont toujours besoin de se loger et pour le moment, le marché de l'immobilier n'a pas été trop impacté par la crise elle-même. Et enfin, ben voilà, c'est un marché stable et c'est en hausse sur le long terme. Donc ça, c'est super important, quelque chose de stable. Donc c'est quelque chose qui sécurise. Quand on investit dans l'immobilier, ben c'est beaucoup moins risqué une fois qu'on le fait correctement ben, que certains investissements en bourse où on a beaucoup plus de volatilité. L'immobilier, c'est stable et surtout, ben, sur le long terme, c'est prouvé que ça monte. Alors, quand on parle justement de stable et de haussier, ben, voici un premier tableau. Donc ça, ce sont des statistiques belges officielles. Donc ça vient de Stat Bel, du gouvernement. Et ce sont tout simplement ben, les prix de l'immobilier depuis une dizaine d'années. Et on voit que le prix de l'immobilier continue à monter. Chaque année, il monte un peu plus. Et 2020, ben, on n'a pas eu. Bon, on a eu la crise en 2020 depuis mars. Mais il n'y a pas vraiment de récession sur les prix de l'immobilier qui sont encore notables. Après, un autre tableau toujours pris des stats belges, c'est tout simplement ce tableau avec les prix. Et dans ce tableau, vous voyez ben, justement que j'ai pris le tableau de la région wallonne, si vous voulez, la région flamande, la région bruxelloise, vous allez tranquillement sur le site qui est là et vous aurez tous les tableaux. Et vous voyez qu'au troisième trimestre, donc au trimestre 3, eh bien, par rapport au trimestre 3 des autres années, même après Covid, on est toujours en haussier. Et ce que les agences immobilières aiment bien vous dire, surtout les agences immobilières qui font dans le neuf, mais elles aiment bien vous dire, ben voilà, si vous achetez un bien immobilier, vous avez en plus, et selon les statistiques, de 3 à 3,5% de rendement locatif pour un bien neuf. En plus de ça, les agences immobilières, ils adorent jouer avec le fait que l'immobilier est haussier et ils vous disent que grâce au prix qui monte, plus à votre rendement locatif, on arrive à des pourcentages de 3 à 9%.
Alors là, par exemple, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que ce sont deux choses différentes. Alors, c'est important que vous compreniez la différence entre les prix qui montent, c'est de la spéculation. C'est comme ben, quand on achète Google et qu'on se dit, ben voilà, Google va monter. Ben, si Google monte, Google vaut plus, mes actions valent plus. C'est la même chose avec le prix de l'immobilier. Il y a des gens qui placent dans l'immobilier en spéculant, qui achètent des appartements en se disant, ben voilà, le prix de l'appartement va monter et donc mon argent est sécurisé. Dans 10 ans, il vaudra plus. Ça, c'est de la spéculation immobilière. Moi, j'aime bien surtout regarder ben, le rendement locatif. Et le rendement locatif, ça, c'est vraiment de l'investissement et un retour sur investissement direct. Et alors, donc, ce rendement locatif, ben, ça, c'est dans le neuf. Et les agences immobilières, elles aiment bien vous dire, ben, vous avez 3 à 9%, mais c'est deux choses différentes. Et surtout, une chose qui est importante, si vous êtes là, c'est parce que vous vous intéressez à l'investissement immobilier aussi rentable. Et donc, ben, vous êtes là pour faire quand même beaucoup mieux que 3 à 3,5% de rendement sur du neuf. On va voir comment faire beaucoup plus. Okay? Donc, des bons rendements, eh ben, ce n'est pas de 3 à 3,5%, on va faire du bon rendement. On va voir ça un peu après quand on parlera des prix et du rendement. Maintenant, vu qu'on parle des prix de l'immobilier, on dit que c'est en hausse et tout, ben on va quand même un peu parler de la crise Covid. Okay? Et pour illustrer le marché de l'immobilier, donc on a vu les prix, bon, ils ont l'air de se maintenir. Maintenant, il y a des prévisions à la baisse. Mais aussi, ce qui est intéressant de voir, ben, c'est le marché de les transactions immobilières. Et là, toujours sur le même site, on a ce graphique de transactions immobilières et là, on voit quand même qu'il y a des gros pics là. Là, on se dit, ouh là là, il y a quand même quelque chose qui s'est passé ici, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et beaucoup de gens se disent, waouh, mais en fait, Covid, c'est pas là. Covid, c'est là. Covid, en fait, c'est ici. Et comme vous le voyez dans le Covid, donc depuis le deuxième trimestre de 2020, ben les prix immobiliers, ben ils n'ont pas beaucoup changé. Ils ont énormément changé ici. Et ça, c'était tout simplement pour une décision purement administrative de la Flandre. Qu'est-ce qui s'est passé ici en Flandre? Eh bien, ils ont supprimé le bonus logement. Donc, ils ont annoncé qu'à partir de 2020, le bonus logement en Flandre était supprimé. Donc, tous les gens qui voulaient acheter leur maison en Flandre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il y a eu énormément d'achats dans le dernier trimestre de 2019. Et tous ceux qui ont acheté ici, ben, ils n'ont pas acheté là. Mais vous voyez, la moyenne, elle est plus ou moins normale. Vous voyez que le Covid a eu très, très peu d'impact sur le marché immobilier pour le moment, alors que c'est une pandémie globale, quoi. Et une simple décision administrative a eu un impact beaucoup plus grand sur le nombre de transactions. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aussi en 2014. Fin 2014, ben, ils ont diminué le bonus logement, et ben, exactement la même courbe. La même courbe, ils ont tous acheté avant que ça ne diminue et après ils se sont calmés pour revenir à un niveau normal. Donc vous voyez même dans le nombre de transactions, mais voilà, Covid n'a pas trop impacté. Maintenant, je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui pensent que ça va aller à la baisse, que la crise ne fait que commencer et qu'on va se prendre une baisse de l'immobilier. Mon banquier m'a dit, ben voilà, au centre, au siège, parfois il parle de moins 20% à 2 ans dans des cas défavorables. Voilà. Alors, excusez-moi. Est-ce qu'il vaut mieux attendre la crise? Qu'est-ce qu'il faut faire avec Covid? Moi, j'aime bien parler de choses que je connais et aussi parler de chiffres, parler de choses réelles. Donc, j'ai décidé de partager avec vous un investissement à moi. Je viens d'acheter une maison avant Covid. Donc, c'est une maison, j'ai signé l'offre fin janvier, j'ai signé le compromis début mars et j'ai signé l'acte en juillet. Donc, c'est vraiment un achat que j'avais fait et ça tombe en plein dans le Covid. Donc voilà, je viens de faire cet achat-là. J'ai acheté une maison à 75 000 euros, donc j'ai payé 15 000 de frais. Il y en a pour 85 000 de travaux. Ça me fait un coût total d'achat de 175 000 euros. Et mes prévisions de loyer avant qu'on arrive en Covid, donc quand je l'ai acheté, ben je prévoyais 17 000 euros net par an de loyer. Donc net, ça veut dire loyer hors charge quand on a enlever le précompte, les assurances et tout. Donc logiquement, ça devrait tourner à 19 200 plus ou moins de loyer hors charge. On enlève certaines charges comme le précompte, comme les impôts, comme les assurances, et j'arrive à 17 000 par an. Mais avec le Covid, j'ai dû descendre un peu les prix pour pouvoir louer facilement quand même, et on est à 14 600 par an.
J'ai réussi à avoir un prêt de 160 000 euros, donc j'ai injecté 15 000 de fonds propres. Donc en gros, j'ai eu un prêt à 100%, j'ai injecté les frais. Et comme tout prêt travaux, ben, je suis avec une franchise, on verra ce que c'est la franchise, mais en gros, pendant 2 ans, je ne paye que les intérêts. Donc pendant 2 ans, je paye 152 euros par mois, ce qui fait 1824 euros par an. Et après ces 2 ans, ben, je paierai mon prêt 735 euros par mois, donc 8820 euros par an. Ce qui fait un cash flow, donc en gros l'argent qui rentre dans ma poche, ben pour le moment, quand c'est loué, 12 700 euros qui rentrent dans ma poche. Et même quand je serai lancé dans mon prêt, si on est toujours en Covid et que je paierai 735 par mois, ben j'aurai toujours un cash flow qui rentre dans ma poche de 5 700. Donc on va comparer ça, cette situation, à qu'est-ce qui se passerait dans 2 ans si les prix baissent de 20%. Okay? Donc qu'est-ce qui se passe dans 2 ans? Ben, si le prix d'achat baisse de 20%, on n'est plus qu'à 60 000 euros d'achat. Donc, il faut injecter que 12 000 euros de frais, puisque c'est proportionnel. Donc, il me reste 3 000 euros dans ma poche, là. Donc, c'est déjà pas mal, 3 000 euros dans ma poche. Travaux, plus ou moins la même chose, les travaux ne vont pas spécialement diminuer. Donc, le prix de revient total diminue un peu. Et bien entendu, les loyers, ben, on est toujours en Covid, donc j'ai gardé les mêmes loyers que maintenant. Donc, j'ai pas réduit mes loyers, vu que j'ai déjà réduit ici. Donc, on est à 145 000 euros de prêts. Encore une fois, j'injecte les fonds. Et donc, bien sûr, c'est moins cher par an. Donc, par an, en franchise, je paye 1440 et pas 1800. Et par an, je paierai 7900 au lieu de 1800. Donc, il y a quand même, mon cash flow sera d'autant plus grand. Et donc, il y aura quand même 900 euros par an en plus dans ma poche, ici, dans 2 ans. Donc dans 2 ans, qu'est-ce que j'aurai? Ben, j'aurai 3 000 euros en plus dans ma poche et 900 euros en plus par an pour le même investissement, quelque part, si on a le marché qui se crache de 20%. Maintenant, c'est bien joli tout ça, mais entre maintenant et dans 2 ans, vu que j'ai acheté maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais soit je suis en franchise et je n'amortis pas, soit je ne suis pas en franchise et j'amortis du prêt. Donc, j'amortis du capital. Donc, en gros, on va supposer que si je n'amortis rien, donc si je prends, ben, j'ai mon cash flow, donc le cash qui rentre dans ma poche, mais pendant 2 ans, il est rentré dans ma poche. Donc, j'ai 25 000 euros dans ma poche. Et je vais commencer à payer mon prêt. Donc, j'ai 25 000 euros dans ma poche, le 3 000 euros dans ma poche. Et là, ça vaut quand même la peine, quoi. Supposons maintenant qu'on n'utilise pas cette franchise de capital. Donc, en gros, il me reste 11 000 euros dans la poche et j'ai amorti 14 600 euros de mon prêt. Donc, si j'ai payé le prêt normal, comme sans franchise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 2 ans, je me retrouve avec un solde restant dû, donc un prêt, ce que je dois à la banque de 145 000, comparé à 145 000 si j'achète dans 2 ans. Seulement, j'ai plus que 18 ans à payer à ce moment-là et pas 20 ans. Et j'ai 11 000 euros dans ma poche. Donc, j'ai plus que 18 ans à payer et si je veux, ben, je refinance mon prêt pour le remettre en 20 ans et j'ai exactement la même situation qu'ici, mais avec 11 000 euros en plus dans ma poche. Donc, la conclusion, si vous voulez faire de l'investissement locatif, je ne parle pas de l'achat-revente parce que l'achat-revente, en effet, ben, vous allez vendre, le prix de vente peut être différent, mais si vous voulez vous lancer dans l'investissement locatif, ben, c'est maintenant qu'il faut commencer. Ça ne sert à rien de vous dire qu'à cause de Covid, les prix vont descendre et on va attendre pour se lancer. Vous pouvez vous lancer maintenant. Je vous l'ai montré avec un investissement qui, honnêtement, n'est même pas un super bon investissement. Hein? Là, il y a 85 000 euros de travaux. Pour être honnête avec vous, quand j'ai prévu cet investissement-là, j'avais prévu avec 65 000 euros de travaux. Mais malgré que je me suis planté 30% dans mes travaux, ça reste un investissement qui me rapporte de l'argent tous les mois. Covid ou pas Covid. Et donc, c'est super important de vous rendre compte que pour l'investissement locatif, l'important, c'est les petits pas, l'important, c'est d'avancer. Et donc, ben oui, Covid est là, oui, il y a une crise qui va peut-être arriver, mais les gens auront toujours besoin de se loger et les loyers, ben, ne vont pas être impactés drastiquement non plus. Voilà. Donc ça, c'était important, je pense, de vous montrer cet exemple chiffré pour bien vous montrer, ben voilà, même si, dans ce cas-ci, on parle d'un crash de 20%, même s'il y a un crash de 20%, vous êtes toujours tranquille en investissement locatif. Alors maintenant, comme promis, on va passer aux notions de base de l'investissement immobilier.
Donc, on va voir comment avancer en immobilier et comment comprendre les notions de base pour justement faire un bon investissement en immobilier. Alors, il y a plusieurs notions. La première notion, c'est le retour sur investissement. C'est un investissement. Donc, on investit, pourquoi? Pour avoir quelque chose en échange. Ce quelque chose en échange, on appelle ça un retour sur investissement dans le jargon, c'est tout simplement ROI, Return on Investment, c'est le profit divisé par le prix. Donc le profit net, ce qu'on va avoir dans notre poche, divisé par le prix. En gros, un exemple, j'achète quelque chose à 100 000 euros qui va me coûter 100 000 euros au total, j'ai un loyer de 500 euros par mois, ça fait 6 000 euros par an, j'ai un retour sur investissement de 6%. C'est comme si j'avais pris ces 100 000 euros que je les avais mis à la banque et j'avais 6% par an. Donc ça, c'est vraiment pour comparer différents types d'investissements entre eux. Okay? Donc vous avez 100 000 euros, vous les mettez à la banque, vous avez un retour de 6%. Si la banque vous donne 6%, vous les mettez en immobilier, il faut au moins louer à 500 euros par mois pour avoir le même retour. Maintenant, ce n'est pas super parlant parce que c'est pour comparer différents types d'investissements ensemble. Et comme on l'a vu, il y a le prix de l'immobilier qui change, qui peut monter. Et donc moi, je préfère la notion de cash flow. Qu'est-ce que c'est que la notion de cash flow? Tout simplement, par définition, c'est un mouvement d'argent. C'est un flot d'argent. Cash flow, c'est un mouvement d'argent. Alors, ce qui est important pour nous, enfin, pour vous, pour moi, c'est vers notre poche. Donc l'argent qui rentre dans notre poche. Donc un cash flow positif, c'est de l'argent qui rentre dans ma poche. Un cash flow négatif, c'est de l'argent qui sort de ma poche. OK? Et donc, ça veut dire, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui achète un appartement à Bruxelles. OK? On va faire un appartement à Bruxelles, c'est sympa. Un bel appartement à Bruxelles, 300 000 euros. C'est pas trop cher, allez, 300 000 euros. Et ben voilà, pour 300 000 euros, j'ai 1 800 euros de prêt. J'ai 1 800 euros de prêt. OK? Et donc, je rembourse 1 800 euros par mois. Et une fois que toutes les charges sont exclues, le loyer que je reçois me rapporte 1 700 euros dans ma poche. Donc, à quelqu'un qui paye peut-être 1 900, 2 000 euros de loyer, une fois que j'ai retiré toutes mes charges, je suis à 1 700 euros dans ma poche, il me reste 100 euros. Non, je paye 100 euros par mois. Donc, j'ai un prêt de 1 800, je paye 100 euros par mois. Et ça, j'ai un cash flow négatif. Maintenant, si j'arrive à faire en sorte que le gars me rembourse un loyer beaucoup plus élevé, peut-être que je vais avoir 1 900 euros. Si mon loyer, j'arrive à le monter à 2002, 2003, j'aurai peut-être 1 900 euros en poche. Et là, j'aurai un prêt à 1 800, un loyer qui me rend 1 900. Donc, j'ai 100 euros de cash flow positif dans ma poche. Okay? Et ça, c'est vraiment cette notion de cash flow. Et on va arriver sur un point super important. Je sais que les banques vont vous dire que c'est quasiment impossible. Okay? Beaucoup d'investisseurs chevronnés savent que c'est faux, c'est tout à fait possible. Mais les banques, monsieur tout le monde, pensent que c'est impossible. Et ce truc-là, ça s'appelle l'autofinancement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autofinancement? C'est un terme que vous devez absolument retenir. L'autofinancement, ça veut dire que votre prêt, la mensualité de votre prêt, est entièrement financée par vos loyers. C'est-à-dire que vous devez avoir un cash flow qui soit positif, pas de cash flow négatif. La banque aime bien vous dire, mais monsieur, ou même les agents immobiliers, vous achetez un bien et il va vous dire, ben vous achetez un bel appartement à Bruxelles pour 300 000 euros et rendez-vous compte, voilà, vous allez payer 1 800 euros de prêt et vos loyers vont rendre 1 700 euros dans votre poche. Donc, pour 100 euros par mois d'effort d'emprunt, d'effort, donc 100 euros, vous allez avoir dans 20 ans un appartement à 300 000 euros. Sur papier, c'est génial. Et même quand on vous dit, c'est pas mal. Et honnêtement, c'est vrai que c'est pas mal. Vous mettez 100 euros et vous passez, après 20 ans, à un appartement de 300 000 euros qui en vaudra peut-être 500 000 dans 20 ans. Allez, on va dire, donc pour 100 euros par mois pendant 20 ans, vous avez un demi-million à l'arrivée. Plus. Ok, ça peut sembler génial. Maintenant, la même chose, mais au lieu de 100 euros par mois, vous arrivez à l'autofinancement, vous arrivez même à avoir 100 euros de cash flow positif. Et donc, cette fois-ci, vous avez 100 euros tous les mois dans votre poche. Et on va se dire que 100 euros sur 20 ans, ça fait 24 000 euros. Donc d'un côté, je paye 24 000 euros. De l'autre côté, j'ai 24 000 euros dans ma poche. Ça fait 48 000 euros de différence. Et beaucoup de gens vont s'arrêter là. Ouais, bon, 48 000 euros de différence, c'est déjà très bien. Mais bon, je paye 24 000 euros, j'ai un demi-million. C'est déjà pas mal du tout. Pourquoi est-ce que je dois absolument me battre, essayer de risquer de rater une affaire?
Parce que si je la rate, cette affaire-là, parce que je veux absolument quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On va comparer ça différemment. Si vous voulez avancer dans l'immobilier, OK? Et si vous voulez avancer dans l'immobilier, ça veut dire que vous voulez faire plusieurs achats. Vous achetez votre premier appartement à 100 000 euros, hop, OK. Et vous voulez en acheter plusieurs. Et vous avez une capacité d'emprunt maintenant de 300 euros par mois. Donc tous les mois, vous pouvez mettre 300 euros à place. Et vous achetez votre premier investissement immobilier, vous mettez 100 euros dans l'investissement immobilier. Donc vous avez mis, il vous reste 200 euros d'investissement à mettre. Vous achetez un deuxième, et vous mettez encore 100 euros. Maintenant, il vous reste 100 euros. Vous achetez un troisième, vous êtes avec trois beaux appartements à Bruxelles qui voudront 1,5 million chacun dans 20 ans. Donc dans 20 ans, vous avez 1,5 million. Mais vous êtes bloqué maintenant, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de capacité d'emprunt, donc vous ne savez plus acheter. La même chose dans l'autre sens, où vous avez 100 euros qui rentrent dans votre poche, mais vous avez 300 euros de capacité d'emprunt au départ. On achète le premier, on a 100 euros qui rentrent dans la poche, mais maintenant j'ai 400 euros. J'achète le deuxième, j'ai 500 euros. J'achète le troisième, j'ai 600 euros. Et c'est un effet d'avalanche qui vous permet d'avancer énormément. Donc c'est vraiment ça qui permet de faire la différence entre la personne qui va faire un petit investissement, qui va peut-être acheter un ou deux appartements, qui va être tranquille à sa retraite, et l'investisseur immobilier qui va vraiment avancer vers la liberté financière, avancer vers l'indépendance financière, c'est le cash flow et l'autofinancement. Alors, pour être sûr que, un, vous avez tous bien compris, et pour être sûr que vous êtes toujours là et que vous suivez, tapez-moi dans le chat autofinancement ou rien. Si vous voulez faire de l'investissement immobilier, il faut de l'autofinancement. Donc, tapez-moi dans le chat autofinancement ou rien. Je veux que vous l'ancriez dans votre tête. C'est possible, l'autofinancement, c'est possible et c'est le seul type d'investissement locatif qui vous permette d'avancer, avancer, avancer, avancer. Allez, je veux vraiment vous voir dans le chat. Allez-y, tapez, tapez, tapez. Oui, Nathalie, ça parle autofinancement. Donc, vraiment important, donc ce cash flow positif. Maintenant, on a parlé du cash flow, on va parler d'autres notions de base, OK? Mais les autres notions importantes, ben le prix, revenu cadastral, c'est deux choses dont on parle souvent quand on achète des biens. Alors, le prix, ben, on va souvent parler du prix d'achat, oui. Il y a les prix d'achat, il y a les frais d'enregistrement, il y a les frais de crédit, donc l'hypothèque, il y a les frais de notaire, il y a les inscriptions. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de tout ça. Et en effet, quand on regarde, il y a une jolie petite table, hein. On commence avec un achat à 100 000 euros, puis il y a 12 000 et demi de frais d'enregistrement en Wallonie, puis il y a les horaires du notaire, parce que le notaire, on le paye aussi. Il y a les frais administratifs, il y a l'inscription, les frais d'hypothèque, parce que vous faites un crédit. Et donc, tous ces frais s'ajoutent. Et moi, je vois de temps en temps des gens, mais qui tout simplement ont peur de tout ça et se cassent la tête à calculer, mais combien ça va me coûter et tout. Alors, vous voulez faire de l'investissement locatif, vous ne voulez pas vous casser la tête, vous voulez aller vite, vous voulez juste regarder vos biens, faire des recherches facilement. Alors moi, je vous donne un truc tout simple. Simplifier. Le prix, c'est toujours le prix plus 1%. Vous serez toujours au-dessus de ce que ça va réellement vous coûter. Donc, vous êtes sauvé. Quand vous voyez un immeuble à 100 000 euros, c'est facile de dire que 100 000 euros plus 1%, ça fait 120 000 euros. Un immeuble à 250 000 euros, ça fera 300 000 euros. Il va vous coûter 300 000 euros. C'est très facile de faire ces calculs-là. Donc, allez beaucoup plus vite. Le prix plus 1%. Simplifiez-vous la vie pour investir. Il faut vraiment avoir un système en place simple qui vous permette de très facilement voir, comparer des biens. Et donc, le prix étant une des parties les plus importantes, voilà, faites toujours prix plus 1%. L'important, c'est que si vous avez envie de faire 19% de calculer, vous faites 19%, c'est pas grave. L'important, c'est de le faire sur tous les biens de la même manière. Après, l'autre partie, c'est le revenu cadastral. Alors, pourquoi c'est important le revenu cadastral? Parce que ça va dépendre un peu de ce que vous avez payé à l'administration. Et le revenu cadastral, c'est tout simplement un revenu fictif qui a été fixé par l'administration en 1975. Et donc, depuis 1975, parce que bon, on n'est plus au même loyer, il y a un index, il est indexé chaque année. Donc en 2020, l'index, il est de 1,8492. À un 9 près, on est à Christophe Colomb. Alors là, ce qui est important de comprendre, c'est que ce revenu cadastral va être utilisé pour calculer le précompte immobilier. Donc c'est une taxe que vous allez devoir payer parce que vous avez un immeuble. Vous avez un immeuble, vous payez une taxe. C'est comme ça, vous êtes propriétaire en Belgique, vous payez une taxe. Il y a le précompte à payer, bon, c'est la taxe foncière en France, le précompte en Belgique. Et c'est le revenu cadastral indexé
fois le taux d'imposition. Alors, le taux d'imposition, il est un peu compliqué à calculer parce qu'il dépend de la province, de la région et il dépend de la commune. Donc, il y a des millièmes de chaque côté. Par exemple, Charleroi, en 2020, on est à 45,75. Et on est plus ou moins dans ces eaux-là. Ça ne change pas énormément par commune, ça change maximum 1 ou 2%, mais bon, voilà, 45,75 à Charleroi. Et on est dans ces zones-là. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, une autre chose, c'est l'impôt. L'impôt des personnes physiques. Quand vous achetez un immeuble, le revenu cadastral sert aussi à décider combien vous allez payer d'impôts. Donc, comment est-ce qu'on paye de l'impôt? Ben, ils prennent le revenu cadastral indexé, ils le multiplient par 1,4, donc ils rajoutent 40%. Et on ajoute cette somme-là à votre brut dans votre déclaration d'impôt. Petit truc, c'est qu'on peut déduire les intérêts du prêt du montant qui est ajouté à vos impôts. Donc, si vous rajoutez 3 000 euros à vos impôts à cause du revenu cadastral, vous pouvez déduire à concurrence de 3 000 euros d'intérêt du prêt. Donc, ça, c'est pour les déductions. Et alors là, il y a encore beaucoup de gens qui se disent, oui, mais on va payer des impôts, il faut optimiser et tout. Encore une fois, il se pose la question, simplifiez-vous la vie. OK? Je vais vous donner une formule. Le précompte, vous avez payé 90% du revenu cadastral. En gros, vous serez à 80 avec quelque chose, mais comptez 90% du revenu cadastral. Vous avez un précompte de 1 000 euros, ça va vous coûter 900 euros de taxes, tout simplement. Parce que hein, vous avez un précompte de 700, ça va vous coûter 630. C'est assez simple. Et l'impôt qui va être ajouté à votre brut, il y a plus ou moins, c'est le revenu cadastral non indexé fois 2,5. De ça, on va supposer que vous êtes au taux marginal, vous payez 50% d'impôt sur votre brut. Et bien, en gros, vous achetez un immeuble avec 1 000 euros de revenu cadastral. Les charges fixes que vous devez à l'État, donc la taxe et l'impôt, ça va être plus ou moins le revenu cadastral fois 2,2. Donc, 1 000 euros de revenu cadastral, vous faites fois 2,2, 2 200 euros que vous allez devoir payer à l'administration. Donc, c'est facile. Maintenant, quand vous faites des recherches de biens, et au lieu de faire tout plein de calculs très compliqués, vous prenez le revenu cadastral, ben, 800 euros, faites fois 2,2, et ben, ça fait 2 000. Voilà, c'est tout. Et ça vous permet tout simplement, ben non, ça fait pas 2 000, ça fait combien ça? Ça fait un peu 1 600, 1 760, 1 760, voilà. Donc, c'est facile de calculer mentalement. Vous voyez un bien, vous voyez le revenu cadastral, vous savez combien ça va vous coûter par an, et donc, vous avez vos loyers, vous voyez directement combien rentre dans votre poche. Okay? Donc ça, c'est deux petits trucs. Maintenant, un autre truc aussi, ben, si vous voulez, vous utilisez un calculateur. Donc ça, c'est le premier cadeau que je vais vous donner tout à l'heure, c'est un calculateur Excel. Et donc ça, c'est un calculateur qui fait tout pour vous. Vous tapez le prix demandé, il vous calcule ben, tous les frais de notaire, vous tapez le revenu cadastral, il va aller vous calculer le revenu cadastral, va vous l'enlever des charges et va vous adapter les charges mensuelles justement en fonction du revenu cadastral. Donc, moi, ce que je fais, ben, j'ai un calculateur avec des paramètres et je tape tous les biens que je visite, je les filtre avec ça. Dès qu'un bien est intéressant, ben, je mets les chiffres là-dedans et je vois ce qui ressort. Je vous expliquerai le calculateur en détail après dans la partie cadeau, parce qu'il fait beaucoup plus que juste calculer le revenu cadastral ou le prix. Mais voilà, soit vous le faites d'une manière super simple, vous rajoutez 20% au prix, vous faites le revenu cadastral fois 2,2, soit ben, vous utilisez le calculateur que je vous donnerai après. Alors maintenant, on va parler d'une autre notion importante quand on veut faire de la location. Le bail de location. Alors le bail, c'est tout simplement votre contrat avec votre locataire. Et pourquoi c'est important? Mais parce qu'il y a deux grosses catégories de bail, dont est le premier qui est le plus courant, le plus connu de tous. Ben, les gens, ils vont vivre dans le bien que vous leur louez. Et ils ont donc un contrat qu'on appelle un contrat de résidence principale. Un bail de résidence principale. Et là, dans ce bail de résidence principale, ce qui est important, c'est le locataire, il s'y domicilie. Donc, il vit là. S'il ne s'est pas officiellement domicilié, il peut aussi prouver qu'il y vit tout le temps, ça marche aussi. Mais alors, c'est une législation spécifique qu'on appelle le droit du logement. Okay? Important, retenez le droit du logement. Une autre chose importante, c'est qu'il n'y a que deux types de durées, courte ou longue. La durée courte, c'est moins de 3 ans. Et il y a certaines règles dans la loi qui sont définies pour les durées courtes qu'on peut faire. Et il y a la durée longue, plus de 3 ans, et la loi définit aussi certaines règles qui sont différentes dans les courtes durées et dans les longues durées, et principalement c'est pour les renoms. Bon, on n'est pas là pour voir la loi, mais bon, courte ou longue, c'est 3 ans la différence.
Et après, la législation, ben, c'est par région, bien entendu. Et par région, vous avez quoi? Vous avez une législation qui définit la résidence principale, bien sûr, mais ils ont été rajoutés aussi à cette législation le bail de logement étudiant. Donc, si vous louez à des étudiants et que vous êtes sous le code du logement, vous tombez sur ben, la partie 4 qui est le bail de location étudiant. Idem, vous faites une colocation, les gens se domicilient dans votre colocation, vous êtes sous le code du logement, là c'est la partie 5, ils ont défini le cadre d'un bail de colocation. Et idem, habitat intergénérationnel, si jamais vous voulez faire des maisons un peu kangourou, comme on appelle ça, donc des maisons où il y a plusieurs générations, il y a des avantages aussi, mais tout est défini dans le code du logement. Et la raison pour laquelle c'est important de dire tout ça, ben, c'est parce que peu importe le contrat que vous écrivez, si vous mettez des clauses dans votre contrat qui ne respectent pas la loi, elles sont nulles. Donc votre contrat de bail doit respecter la loi, doit respecter le code du logement. Donc vous êtes obligé de vous taper le code du logement et de le comprendre pour savoir ce que vous faites. Si vous écrivez dans votre bail de résidence principale, monsieur, vous me devez 4 mois de caution quand vous partez, eh ben si au code du logement on dit que c'est 2 mois, eh ben, il vous doit 2 mois, il vous doit pas 4 mois. Et puis encore, si vous avez mis qu'il vous doit 4 mois, quelque part, vous avez fait une faute, donc il peut encore ne même pas payer parce que votre clause de résiliation n'est plus légale. Donc, très important, quand vous faites de la location, quand vous avez des locataires qui y vivent, je sais, ce ne sera pas gai, ce ne sera pas marrant. Si vous voulez, à la rigueur, je passerai je rajouterai dans les bonus, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais je vous rajouterai dans les bonus un séminaire où j'ai vraiment présenté que la législation. Ce n'est pas marrant, il faut se la taper. Mais si vous voulez faire de la location, c'est important de connaître ça. C'est la loi qui prime, peu importe ce que vous écrivez dans votre contrat. Par contre, il y a un autre type de contrat, le contrat de bail de droit commun. Et le droit commun, la grosse différence, c'est que la législation, c'est le code civil des contrats mobiliers et immobiliers. Okay? Donc, c'est une autre législation. Et là, la différence, c'est que les gens ne peuvent pas se domicilier dans votre bâtiment, puisque sinon, on tombe dans le code du logement. Et pour pouvoir être en droit commun, il faut 2 choses. Il faut bien le noter sur le bail, que c'est un bail de droit commun dans lequel on ne peut pas se domicilier. Première chose. La deuxième chose, il faut mettre dans ce bail de droit commun, identifier le preneur, donc nom, prénom, numéro national, et son domicile. Il faut que son domicile légal soit écrit dans le contrat. Donc ça, c'est 2 choses auxquelles le législateur regarde. Si votre contrat comprend bien la clause comme quoi c'est un contrat de droit commun dans lequel on n'a pas le droit de se domicilier, et le domicile réel du preneur, c'est bon. Vous êtes dans le code civil. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que le gars, il peut pas se domicilier là. Il peut recevoir du courrier, hein, il peut mettre une adresse. C'est pas exactement la même chose, mettre une adresse officiellement et juste recevoir du courrier. Donc, il peut recevoir du courrier pour avoir ses factures. Ça peut être très bien adapté à des étudiants. Et le truc, c'est que si vous êtes en droit commun, même si vous êtes en bail étudiant, en droit commun, donc les cotes et tout ça, eh ben, vous n'êtes pas sous la législation du logement, donc vous n'avez pas les mêmes contraintes que de l'autre côté. Donc ça, c'est un truc qui marche bien ben, voilà, en colocation estudiantine, en Airbnb. Quand vous faites de Airbnb, ben, vous n'avez pas besoin que les gens se domicilient. Vous faites du moyenne durée, donc des gens qui viennent, qui travaillent, qui sont là pour 2, 6 mois, même 1 an parfois. Donc des gens qui sont là de passage, même un long passage, qui ne se domicilient pas à la commune, donc ils peuvent recevoir des factures, ils peuvent recevoir des adresses, c'est pas grave. Hein, vous pouvez utiliser cette législation-là. Donc ça, c'est super important. Et là, par contre, la grosse différence, c'est votre contrat, c'est la loi. Ce que vous écrivez dans votre contrat, c'est la loi. Donc, c'est vraiment l'opposé du bail de résidence principale où lui, il doit suivre la loi, le code du logement. Ici, ben, le droit commun, c'est tout simplement, vous définissez votre contrat et votre loi avec votre locataire. S'il a signé, ben, c'est qu'il est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment les notions de base sur le bail. Bon, donc maintenant, on va commencer à entamer tout doucement le financement et on va parler de l'effet de levier. Alors, moi, j'aime bien la photo. Hein. Tout le monde connaît Archimède qui a dit, eh bien, donnez-moi un levier assez long et un bon point d'appui et je soulèverai le monde. Ben, nous, on va pas essayer de soulever le monde, mais bon, on va travailler avec l'effet de levier. Et quand on parle de l'effet de levier, ben, on parle de l'effet de levier bancaire ici. Donc ici, on va parler du financement, donc on va vraiment parler de l'effet de levier bancaire, okay, le crédit bancaire. Et le premier, le gros levier du crédit bancaire, c'est la quotité. Alors la quotité, c'est
combien d'argent la banque va vous prêter par rapport au prix d'achat du bien. Donc, vous voulez acheter un joli petit immeuble. Cet immeuble, ben, il coûte 100 000 euros. Donc, il y aura 20%, 20 000 euros de frais. Donc, il y a 120 000 euros à lever. OK? C'est marrant parce qu'on dit d'ailleurs lever des fonds. Et ici, on est dans un prêt, tout ce qu'il y a de plus normal, où mais la banque dit 80% de quotité. Donc, si on s'est calculé, on a 100 000 euros, 80% de quotité, donc la banque ne veut vous prêter que 80% du prix d'achat, donc ils vont vous prêter 80 000 euros, 120 000 moins 80 000 euros, mais il faut apporter 40 000 euros en fonds propres pour pouvoir lever les fonds, les 120 000 euros qui vont vous permettre d'acheter un bâtiment. Donc, vous voyez, ça, c'est un super effet de levier. Vous amenez 40 000 euros sur la table, vous achetez un bâtiment à 120 000 euros. Essayez d'aller avec 40 000 euros et d'acheter pour 120 000 euros d'actions en bourse, bonne chance. Donc ça, c'est vraiment un levier super important. Mais maintenant, on peut jouer sur ce levier-là. Supposez que vous arrivez à avoir 100% de quotité. Donc, juste 20% de quotité en plus. Donc, 20% de quotité. Même immeuble, même frais, 20% de quotité en plus. Mais là, vous ne devez plus apporter que 20 000 euros sur la table. La moitié. La moitié. Ça veut dire que si vous étiez capable d'acheter un bâtiment à 100 000 euros avec 80% de quotité, si vous arrivez à 100% de quotité, vous pouvez en acheter deux. Donc, vous augmentez la quotité de 20%, vous pouvez maintenant acheter deux bâtiments à 100 000 euros. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre cet effet de levier-là qui est la quotité. Plus vous montez dans la quotité, plus la banque vous prête, mais surtout beaucoup moins vous utilisez votre propre réserve de cash et vous pouvez avancer beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est le premier levier bancaire, la quotité. Maintenant, il y a un deuxième levier bancaire qu'on appelle tout simplement la durée du prêt. Ben voilà, vous avez toujours le même bâtiment, hein, 120 000 euros à lever, mais là, en 15 ans. Ici, supposons que la banque vous a tout prêté, elle vous a prêté 120 000 euros. En 15 ans, 120 000 euros, ça veut dire que vous allez devoir rembourser 770 euros par mois. Donc, tous les mois, ça va vous coûter 770 euros. OK? Idem, la même chose. Maintenant, vous allez taper un autre crédit. Vous allez taper un crédit en 20 ans. Mais en 20 ans, si vous avez toujours 120 000 euros, ben on est déjà plus qu'à 606 euros à apporter tous les mois. Donc la différence entre 15 ans et 20 ans, ben, elle est quand même là. Et ce que ça veut dire pour vous, c'est tout simplement d'avoir 165 euros en plus dans votre poche. Alors, j'aime bien parce que je vois un peu les commentaires. Je sais que Fabien les prend pour moi. Merci encore, Fabien. Mais je vois quelqu'un, donc qui c'est qui me parle de ça? Suzy, ben, compliqué d'avoir 100% de quotité de nos jours. On en parlera après. C'est compliqué d'avoir plus de 100%, mais arriver jusqu'à 100%, c'est pas si compliqué que ça. Bon, on va continuer donc avec justement. Vous avez compris donc l'effet des deux leviers, la quotité et la durée. Et on va parler maintenant vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet, le financement. Donc, comment comprendre la banque, okay, et surtout comment obtenir son crédit. Parce que finalement, c'est pour ça que vous êtes là aussi, pour apprendre comment obtenir votre crédit et justement comment convaincre la banque de vous donner un crédit avec une beaucoup plus grosse quotité. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre les paramètres que la banque va utiliser. Et il y a quelques paramètres super importants que la banque va utiliser pour décider si elle vous donne un crédit ou pas. Alors, le premier paramètre que la banque utilise, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement. Et le taux d'endettement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le rapport entre votre dette et vos revenus. Okay? Donc, faisons un exemple simple. Vous touchez 1 500 euros net par mois et vous voulez acheter un bâtiment qui va vous demander de payer 500 euros par mois de crédit. Donc, vous aurez une dette de 500 euros. Alors, pour là, on sera à 33% de taux d'endettement, puisque 500 divisé par 1 500, on est à un tiers, 33%. Et il faut savoir que justement, 33%, ben, c'est un taux acceptable pour la plupart des banques. Et ce taux d'endettement peut aller jusqu'à 50%. On parle encore là de règles globales. On peut dépasser 50%, mais ça devient difficile et on parle vraiment d'investissement. Voilà, on n'est plus dans le niveau débutant quand on dépasse 50%, ou alors vous avez de très 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 bons salaires. L'autre paramètre super important qui est utilisé, c'est le reste à vivre.
le reste à vivre, ben, comme ça le dit, c'est ce qui vous reste à vous après. Donc, on fait tous vos revenus récurrents, donc tous vos revenus, moins toutes les dépenses contraignantes, donc toutes les dépenses obligatoires. Ça vous donne votre reste à vivre. Donc, en gros, les dépenses obligatoires, ben, vous devez vivre. C'est vous loger, vous nourrir, payer les assurances, payer les enfants. Hein, vos dépenses normales qui font que vous vivez, donc les dépenses d'un couple, mais combien il vous reste à vivre après avoir dépensé tout ça? Et là, encore une fois, ça dépend des banques. Beaucoup de banques vont regarder un reste à vivre de 725 euros. C'est ce qui est accepté comme le minimum. Un reste à vivre avec 725 euros, on peut vivre en Belgique. Après, certainement, on considère plutôt 976 euros comme le revenu minimal. Mais vous verrez que ça, c'est vraiment des revenus minimaux. Chaque banque a un reste à vivre différent en fonction de ce que vous lui demandez. On va voir ça après en détail avec un cas bien précis. Okay. Il y a un autre paramètre qui s'appelle LTV. Alors, je sais, c'est en anglais, mais toutes les banques, même en Belgique, l'utilisent en anglais. Loan to value. Alors, n'allez pas chez votre banquier et lui parler de LTV. Okay. Tout simplement parce que c'est... voilà. Quand vous allez chez votre banquier, vous êtes quelqu'un qui demande un crédit, on parle de LTV quand on commence à vraiment connaître les banques, connaître les systèmes bancaires. Okay? Donc, le loan to value, c'est la valeur du crédit divisée par la valeur du bien qui est en garantie du crédit. Et donc, ça, c'est important parce qu'on va voir comment on l'utilise après. Mais vous devez le connaître pour pouvoir justement parler correctement à votre banquier avec d'autres mots. Et enfin, la quotité. La quotité, c'est le crédit divisé par le prix d'achat. Okay, donc, vous faites un crédit de 100 000 euros, un prix d'achat de 100 000 euros, c'est une quotité de 100%. On parle de quotité de 125% quand la banque vous prête 125 000 pour un achat de 100 000 euros. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la quotité. Et vous remarquez que la quotité et la loan to value n'ont pas la même définition. Okay, retenez ça. On va le voir dans une minute. Excusez-moi. Je prends un petit verre d'eau. Parce qu'on parle, mais ça a soif. Hein. Alors, maintenant, toutes les banques vous parlent des règles de la Banque nationale. Les nouvelles règles de la Banque nationale. Les règles plus contraignantes de la Banque nationale. Eh bien, allons voir justement les règles de la Banque nationale. Je vous les ai mis. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas facile à lire. Je vais même vous le mettre en plus grand. OK ? Les règles de la Banque nationale. Donc, ça, c'est vraiment les recommandations de la Banque nationale. Pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais, je vais vous traduire. En gros, c'est depuis janvier 2020. Buy to let, ça veut dire acheter pour louer. Donc, c'est vraiment vous investissez. Okay? Acheter pour louer. Owner occupy, ben, vous l'achetez pour vivre dedans. Okay? Alors, la limite loan to value, ils disent 80%. Donc, vous faites un achat d'investissement, on ne vous prêtera que 80% de la valeur. Alors, ça, c'est ce que toutes les banques vous disent. Ce que beaucoup de banques oublient, c'est la deuxième colonne après, la marge de tolérance. En gros, ils autorisent 10% des crédits de la banque. Donc là, une banque qui fait 100 crédits, eh bien, sur 100 crédits, ils ont 10%, donc ils ont 10 crédits qui peuvent dépasser cette valeur et monter jusqu'à 90% de LTV. OK ? Et donc, ce qui est important, c'est de voir ici que on est à 80% de loan to value et pas de quotité. Vous voyez, pas 80% de loan to value, pas 80% de quotité. La Banque nationale ne parle pas de quotité. Bon, si vous achetez votre propre habitation, si vous allez vivre dedans, il n'est pas marqué que vous ne pouvez pas louer une partie de l'habitation, mais vous devez vivre dedans, donc vous y domiciliez. Là, la valeur, c'est 90% de base. Mais maintenant, pour ceux qui achètent leur première maison, on peut avoir jusqu'à 35% de crédit qui dépasse ces 90%. Okay? Donc, 35% des crédits peuvent dépasser les 90%, dont en plus 5% des crédits peuvent dépasser les 100%. Donc, ça veut dire que la banque qui fait 100 crédits pour des gens qui vont acheter leur résidence principale, leur première résidence principale, qu'est-ce qui se passe? Ben, 35 personnes vont pouvoir avoir plus que 90% de quotité, aller jusqu'à 100%, et 5 personnes vont pouvoir dépasser 100%. Donc, sur 100 personnes qui font un crédit pour acheter leur maison, la banque peut, sans problème, en restant dans les règles, donner un crédit à 125% à 5 personnes. Sans problème.
Donc, vous voyez, le crédit à 125%, il est là. C'est là où vous allez chercher votre crédit à 125%. Quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas grand-chose, c'est là que vous pouvez aller chercher. Vous pouvez aller chercher votre crédit pour votre première résidence. On va revenir à la première ligne pour les investisseurs. On va parler du crédit à 125% pour les investisseurs aussi, dans une petite seconde. Autre chose, ben voilà, d'autres limites qui mettent, ben voilà, donc la loan to value, qui est plus grande que 90% dans tous les cas, et le taux d'endettement qui est plus de 50%. Donc là aussi, il y a 5% des crédits où on peut monter, okay, on peut monter à plus de 50% de taux d'endettement. Encore une fois, donc sur 100 crédits, il y en a 5, où on peut les donner à des gens qui ont plus de 50% de taux d'endettement. La dernière ligne, c'est plus ou moins, elle dit plus ou moins la même chose avec d'autres termes un peu plus techniques, donc je vous la passe. Okay? Alors, ça veut dire quoi? Donc, encore une fois, vous lisez là en dessous. Donc, crédit pour louer. Okay? Crédit pour louer, loan to value. Ce n'est pas la quotité, c'est la valeur. Donc, vous avez acheté un bien, vous le payez 100 000 euros. Si vous pouvez prouver que la valeur de ce bien, elle est de 150 000 euros, la Banque nationale, elle dit à votre banque que votre banque peut vous prêter 80% de 150 000 euros et pas 80% de 100 000 euros. Donc ça, c'est en tant qu'investisseur, vous devez le savoir. Quand votre banque vous dit on est limité à 80% de quotité à cause de la Banque nationale, c'est faux. La Banque nationale, elle limite la loan to value, le LTV, elle limite pas du tout la quotité. Okay? Les banques ont des règles internes. Peut-être que la banque a une règle interne qui dit 80% de quotité, mais c'est la banque qui a une règle interne. Et donc, on va voir pourquoi c'est important, parce que les règles internes de la banque, on peut jouer avec. Deuxième chose, le crédit primo-accédant, donc c'est first time buyer, hein, c'est ça. 5% des crédits peuvent dépasser 100%. Donc 35% peuvent aller jusqu'à 100%. On parle quand même d'un tiers des gens qui achètent, hein, 35%, mais à plus d'un tiers des gens qui achètent peuvent avoir un crédit à 100%. Donc, vous voyez, quand on dit un crédit à 100%, c'est difficile, ben, c'est difficile pour deux tiers de la population, mais il y a un tiers de la population qui va l'avoir, quoi. Et il y a 5% des gens qui vont avoir un crédit à plus de 100%. Voilà, ça c'est les règles de la Banque nationale. Donc le but du jeu, ce sera de vous positionner dans ces 5%-là. Et comme il y a beaucoup de gens qui achètent juste pour acheter et qui ont des économies, qui veulent utiliser leurs économies, qui ne veulent pas avoir une dette envers la banque, qui ont peur de la dette. Nous, on utilise la dette pour grandir, on utilise la dette pour avancer. Donc c'est de la bonne dette qu'on utilise pour justement créer du capital, créer de la valeur et avancer dans nos investissements. Mais il y a une grosse partie de la population qui sont là, ben, pour acheter et qui ne veulent pas de dette. Donc déjà, eux, on les remercie parce que eux, ben, ils vont prendre tous les pourcentages de crédit où on ne peut pas dépasser les 80%. Donc, on se bat pour ces 5%, mais on ne se bat pas avec 100% de la population. Vous voyez? C'est important de savoir ça. Voilà. Et donc, encore une fois, 20%, il y a 20% des gens, donc même qui ne sont pas, qui n'achètent pas leur première résidence, donc qui achètent une maison, mais une seconde résidence, par exemple, qui peuvent aussi aller jusqu'à 100%. Donc, en seconde résidence, la Banque nationale ne dit pas dépasser les 100%, mais elle permet à 20% de la population qui achète une seconde résidence d'aller jusqu'à 100% de quotité, enfin, de loan to value. Voilà. Voilà. Alors, je réponds tout de suite à une question que j'ai vue passer. Non, si on achète à 100 000 euros, on paye les droits d'enregistrement sur 100 000 euros, même si la valeur du bien est de 150 000 euros. Okay? Voilà. Ce qui peut se passer, c'est que allez, l'administration vient vous dire comment ça se fait que vous avez acheté à 100 000 euros et pas à 150 000, si ça vaut 150 000. Ils peuvent essayer de reclassifier ça, mais ça n'a rien à voir avec le crédit. C'est plus parce qu'ils cherchent les gens qui payent en noir, donc qui achètent une maison en payant en noir pour payer moins de droits d'enregistrement. Mais ici, il n'y a pas de problème. Si vous achetez à 100 000 euros, vous faites un crédit à 100 000 euros, ils ne vont pas vous requalifier pour ça. Voilà. Donc les droits, c'est sur le prix d'achat et pas sur le prix expertisé, heureusement. Donc voilà, ça c'est vraiment sur les critères de la Banque nationale. Maintenant, comme encore une fois, j'aime les cas pratiques, okay? Je vais partager avec vous un cas pratique, hein, d'une banque, des critères de décision bancaire d'une banque qui existe. Donc ça, vous le trouverez, ce sont des critères qu'on trouve ben, sur un site d'un courtier belge. Donc j'ai mis le site du courtier belge à la deuxième page, parce qu'il y a deux pages de critères. Mais voilà, ça ce sont vraiment un exemple de critères existants. Donc le banquier, il a ça devant lui, ben voilà. Les personnes qui peuvent emprunter, ben ils doivent avoir minimum 18 ans et un âge maximum, ben voilà, au terme du crédit, 70 ans. Donc vous faites un crédit en 20 ans,
Ben, à 50 ans, on vous le donnera. À 51 ans, on vous dira non. Vous êtes en dehors des critères. Maintenant, vous êtes à 52 ans, vous faites un crédit en 15 ans, c'est bon. Vous êtes dans les critères de cette banque-ci. Après, ils veulent un statut professionnel des emprunteurs. Ils disent, ben voilà, les gars qui empruntent chez moi, il faut qu'ils aient un contrat à durée indéterminée. D'au moins 12 mois si on a à moins de 90% de quotité et de plus de 24 mois si on est à plus de 90% de quotité. Donc ça, ce sont des critères qu'une banque utilise réellement. Voilà. Vous allez chez elle, vous dites, je suis indépendant, ben merci, vous n'êtes pas dans les 15. Merci, au revoir. Vous avez 17 ans, vous avez 71 ans, vous n'êtes pas dans les 15. OK ? Critères de la même banque, la capacité financière. Donc, en gros, quand on voit rapport charge-revenu, en gros, ben, c'est quoi ? C'est le taux d'endettement, les dettes sur les revenus. Donc, eux, ils appellent ça capacité financière. Du nouveau crédit et d'autres crédits éventuels, donc en gros, toutes vos capacités financières, tout votre taux d'endettement global. Et vous voyez, là, il y a les prêts auto, il y a les financements, il y a les prêts à tempérament. 40% maximum si vos revenus totaux sont inférieurs à 2000 euros, 45% entre 2000 et 3000, et 50% si vous gagnez plus de 3000 euros par mois. Voilà. Donc ça, c'est leur critère à eux. Et après, ils définissent le minimum, le reste à vivre. Mais voilà, si vous voulez une quotité de 90% ou moins, il vous faut au moins 1000 euros de reste à vivre pour un isolé, 1250 pour un couple. Vous voulez une quantité plus haute, eh ben, ils demandent plus de reste à vivre, tout simplement. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment... Et donc, la source est là en dessous, hein, sous le finance. Ce sont des critères, ce n'est pas des critères de 2020, hein, mais bon, ce sont des critères qu'une banque utilise pour définir à qui elle prête. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ces critères-là, comment la banque fonctionne pour justement aller après à ce qui nous intéresse à nous, qui est l'acceptation bancaire. Comment avoir son crédit accepté. Et là, en fait, c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Les banques, ils sont simples. Ils ont des cases. OK ? Ils ont des cases. Si vous êtes oui dans tous les critères, vous êtes dans la case verte. Si vous êtes limite dans certains critères, vous êtes dans la case orange. Et quand vous sortez des critères, vous êtes dans le rouge. Et c'est simple, vous êtes dans le vert, on vous dit oui, vous êtes dans l'orange, on vous dit peut-être, on va analyser votre dossier, vous êtes dans le rouge, vous êtes dans le rouge, on vous dit non. OK ? Il y a certaines banques, alors le rouge, généralement, le gros cadre rouge, là, c'est les critères de la Banque nationale. OK ? Donc le cadre rouge, ici, autour, c'est, on va dire, les critères de la Banque nationale. La Banque nationale restreint la banque. Mais il y a des banques qui, pour certains critères, dans certaines directions, ben, ils ont envie de prêter plus ou différemment que la Banque nationale. Vous voyez. Leurs critères internes peuvent aller un peu plus haut. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Ben, voilà. Si vous êtes en dehors des cases, ben, vous êtes rouge. Si vous êtes dans le vert, vous êtes vert, content. Là, ben, tant que vous êtes dans l'orange, ben, ils vont évaluer votre dossier. Okay, ils vont évaluer votre dossier. Et il se peut que vous soyez même dans la limite rouge, là, entre... Vous êtes déjà dans le rouge pour la Banque nationale, mais vous êtes toujours dans leurs critères. Ils peuvent toujours vous prêter. Mais ça, c'est par exemple les 5% d'exception. Oui, ils vont vous faire un 125%. Ça, c'est vraiment les pourcentages d'exception. Donc, cette bande rouge là autour, c'est les pourcentages d'exception de la Banque nationale. Ils vont pouvoir aller jusque-là si leur limite interne va jusque-là. Okay ? Maintenant, il faut savoir que ces critères d'acceptation, ils sont différents. Les banques n'ont pas les mêmes critères d'acceptation. Ce n'est pas commun à toutes les banques. Chaque banque a ses propres critères d'acceptation. Et donc, vous devez comprendre une chose, c'est que la banque, c'est ça qui compte, c'est ses critères d'acceptation à elle. Donc, si vous avez voilà, deux autres banques qui ont des critères d'acceptation différents, ici, vous avez une banque plus restrictive, ben, voilà, peut-être qu'elle prête à un autre profil, donc sa boîte verte est à un autre endroit, et ben, monsieur qui était ici, pas dans le vert, dans l'orange, il est là dans le vert, il est bien tranquille. Monsieur qui ici, pour la main, qui était dans la boîte verte, ben ici, il n'est plus dans la boîte verte, peut-être qu'il est trop jeune, peut-être qu'il est trop vieux. Enfin, il y a un paramètre qui change et qui fait qu'il n'est plus dans la boîte. Et même pire, il n'est plus dans la boîte orange. Donc lui, il va vraiment, il va devoir se battre. La banque, elle n'a pas envie de lui prêter, il est hors des paramètres de la banque, donc ce sera sûrement un non. Le gars qui était là, même s'il était dans le rouge de la Banque nationale, ben ici, il est en dehors de l'orange, ben voilà, ça ne va pas bien. Ça va pas bien. Et ici, par contre, vous avez une banque complètement différente. Il y a certains organismes de crédit qui ne sont pas à 100% liés par les règles de la Banque nationale. Donc, vous voyez, le carré rouge au-dessus n'est pas là. Donc, ils ont des carrés complètement différents. Et donc, le gars qui était rouge ici,
Ben, on pourrait le prendre ici, vous voyez. On pourrait le prendre là. Par contre, là, il est complètement rouge. Voilà. Ça dépend vraiment des banques. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire beaucoup de banques différentes. Parce que si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas dans le vert, et si vous faites de l'investissement immobilier, vous ne serez quasiment jamais dans le vert, vous serez toujours dans l'orange. Parce que vous allez toujours aller essayer de jouer avec un de ces effets de levier qui fait justement que vous êtes dans l'orange. Vous allez essayer de taper des quotités à 100%, taper des quotités à plus de 100%. Vous allez essayer d'allonger la durée de crédit, justement pour jouer sur ces deux leviers qui sont super importants pour l'investisseur, mais qui font que par défaut, vous sortez de la case verte. Et donc, tout le jeu, c'est, vous êtes en dehors de la case verte, mais restez dans les banques dans lesquelles vous êtes dans la case orange. Okay? Ça, c'est le truc. Donc, connaître les paramètres d'acceptation des banques avec lesquelles vous parlez. Okay? Et convaincre, parce que c'est là où on parle d'un bon dossier bancaire. Parce que quand vous êtes dans le vert, c'est facile, on dit oui. Quand vous êtes dans l'orange, il faut les convaincre de vous dire oui. Et là, il y a plusieurs niveaux où on va devoir convaincre la banque de nous dire oui. Et donc, c'est là où vous devez comprendre la psychologie et à qui vous parlez. Donc, on va voir justement la différence, pardon, entre le banquier et l'analyste. Ici, je ne parle même pas trop de courtier, ok? Mais vous pouvez assimiler courtier au banquier. Donc, banquier, courtier, c'est la personne à qui vous parlez. Donc, la personne à qui vous parlez, ben, elle vous parle à vous, elle vous voit comme un être humain. Donc, ses critères, ben, c'est vous, c'est toi, comme client, comme personne. Est-ce que je t'aime bien? Est-ce que je t'aime pas? Tout simplement. Est-ce que j'ai envie de t'aider? Est-ce que j'ai pas envie de t'aider? Ben oui, c'est un humain en face de vous. Est-ce qu'il a envie de vous aider? Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait avoir envie de vous aider? Ben, il vous voit comme client. Il vous aime bien. Il y a plusieurs raisons. C'est un ami à vous. Voilà. Il y a tout plein de raisons humaines pour lesquelles la personne a envie de vous aider. La première raison, vu que c'est une relation commerciale, ben, ils ont envie de vous avoir comme client. Okay? Donc ça, c'est la première raison. Ils ont envie de vous avoir comme client. Donc, pour convaincre monsieur le banquier, monsieur le courtier, de se décarcasser pour vous, en gros, c'est lui qui va décider de prendre votre dossier et de le taper dans cette case orange. Parce que dans la case verte, il ne décide même pas, il vous le donne. Les banques, ils veulent vous prêter de l'argent. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc, la banque, il veut vous prêter de l'argent. Si vous arrivez dans une banque et vous êtes dans la case verte, ils ne demandent qu'une chose, c'est de vous le prêter de l'argent. Okay? Mettez-vous ça en tête. Les banques veulent vous prêter de l'argent. Okay? Donc, vous arrivez dans une banque, vous êtes dans la case verte, c'est facile pour lui, c'est clic. Hop, il avance vers ses objectifs, il vous a prêté de l'argent, il a un client en plus, il est content. Okay? Le problème, c'est qu'après, quand vous êtes plus dans la case verte, quand vous êtes dans la case orange, ben, plus vous êtes loin de la case verte, plus c'est du travail pour lui. Plus c'est un dossier à monter, plus il y a d'informations à donner, plus il y a de travail à faire. Donc, plus c'est compliqué. Et donc, plus il va falloir le motiver. Okay? Et on va voir comment le motiver après. Okay? Deuxième chose, ben, le banquier, il faut qu'il croie en votre projet. Vous allez pour un projet d'investissement. Si vous allez pour acheter votre résidence principale, c'est facile. Il croit en vous. Écoutez, monsieur, je suis jeune, je m'installe avec madame, j'ai besoin d'une maison et tout. On va créer une famille. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, soit il voit, il est content d'aider quelqu'un, soit il voit le futur client qui va avoir des comptes pour ses enfants, qui va vivre toute sa vie dans une banque, parce que les gens ne changent pas beaucoup de banque. Okay? Les investisseurs, plus, mais les gens normaux ne changent pas beaucoup de banque. Donc lui, il voit le client. La base potentielle qui arrive. Donc, il est intéressé, il prend votre projet. Maintenant, vous voulez un investissement. Mais déjà, le banquier, il ne faut pas le prendre de haut. Il ne faut pas lui dire, monsieur, moi, je connais tout. Donnez-moi un LTV de autant, machin. Moi, je suis un bon investisseur. Regardez, j'ai un super bon profil et tout. Ah non, c'est mon premier investissement. Hein. J'ai beaucoup regardé sur Internet des vidéos et tout. Maintenant, je connais tout très bien. C'est mon premier investissement et tout va aller très bien. Et vous allez voir, je vais avoir tout plein de cachots dans ma poche. Mais il ne va pas être convaincu par votre projet. Okay? Il faut être honnête aussi. Le gars, c'est quelqu'un qui est banquier. Si vous avez de la chance, il investit aussi, donc il sait de quoi on parle, mais il y a beaucoup de banquiers qui n'investissent pas. Donc, et il voit juste des dossiers, il voit juste des gens qui achètent leur maison, il voit la majorité de la population. Donc, ils ne sont pas dans ce mindset, dans cet état d'esprit d'entrepreneur. Okay? Donc, il faut lui vendre votre projet. Et lui vendre votre projet de manière réaliste, okay, sans exagérer, avec des chiffres
prouver. Et plus vous étoffez votre projet, plus le banquier va y croire. Et une fois qu'il y croit, il va prendre votre petit dossier et aller le mettre dans cette zone orange et il va l'envoyer à l'analyste. Et enfin, un autre truc qui est important, c'est le scoring. Le scoring à la banque. Okay? Chaque banque a un scoring, donc une note. Elle note ses clients. Et plus vous avez un bon scoring, mieux c'est. Donc, vous avez un bon scoring, la banque elle a envie de vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que vous êtes un bon client sur papier. Il est marqué que vous avez un bon score, ça veut dire que vous êtes un bon client. Et il y a tout plein d'outils qui décident de votre score. Donc, en fonction des banques, vous pouvez être un bon ou mauvais client avec le même profil. Hein. Ça dépend vraiment de la banque et de ce que la banque recherche comme profil. Et donc, ça, c'est important parce qu'après, on a l'analyste qui est celui au siège qui va analyser votre dossier pour vous dire oui ou non. Encore une fois, on est dans la zone orange. Dans la zone orange, on passe par le siège, on passe par un analyste. C'est très rare, les dossiers, on va dire, en zone orange qui sont traités en agence. Ça arrive, il y a des agences qui sont plus grosses, il y a des agences qui ont un pouvoir de délégation en agence et il faut tomber sur ces agences-là qui sont généralement les agences de votre coin. Ou, voilà. Mais donc l'analyste, il va analyser les chiffres. Il va analyser les chiffres du projet. Et comme, bien entendu, il ne vous croit pas vous, il va sûrement demander une expertise. Parce que vous dites, monsieur, j'achète un bien à 100 000 euros, mais il en vaut 150 000. Ouais, ouais. Bon. On lui montre l'expertise. Si l'expertise dit 100 000 euros par un expert agréé par la banque, là, il va le croire. Il va dire, tiens, c'est vrai, monsieur Libéry, il achète un bien qui vaut 150 000 euros. Et l'expert, lui, sait qu'il joue avec la LTV et pas la quotité uniquement. Donc, lui dit, oui, je sais, moi, je demande une quotité de 100%, monsieur, mais regardez, je suis à 80% de la valeur expertisée. Vous ne dites pas loan to value, mais vous dites, je suis à 80% de la valeur expertisée. C'est la même chose. Pour lui, il sait qu'il calcule sur ses LTV. Et voilà, et donc il retombe à 80%. Il peut vous prêter à 80% en tant qu'investisseur parce qu'il est à 80% de la valeur expertisée. C'est pas qu'on s'en fiche, mais on sait qu'on est à 100% de quotité. C'est pas grave, il va vous faire payer un taux plus cher parce que vous êtes à 100% de quotité, il va faire plus d'argent sur votre dos. Il est content, mais vous avez votre quotité à 100%. Vous avez remarqué que jusqu'ici, j'ai même pas parlé du taux. Le taux, c'est tout simplement le prix à payer pour avoir l'argent de la banque, pour utiliser le levier bancaire. Okay? Et bien sûr, si vous utilisez un levier plus long, un meilleur levier, vous allez payer un peu plus cher. Donc, vous allez payer un peu plus cher, on paye un moins bon taux. Mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux un super bon levier que vous payez un peu plus cher que d'essayer de payer le taux le moins élevé et d'avoir un plus petit levier. Vous l'avez compris, la quotité, c'est 20% en plus de quotité. Vous doublez votre capacité à investir pour 20% de quotité. Si ça vous coûte 1,5% en plus, même 1% en plus de taux, ce n'est pas grave, vous doublez votre capacité à investir. Okay, c'est super important. La durée, généralement, c'est un peu à vous de voir et ça va dépendre aussi de vos paramètres à vous. Encore une fois, si vous avez remarqué, la durée, elle fait diminuer la charge de crédit, donc elle diminue votre taux d'endettement et elle augmente votre reste à vivre. Donc, si votre problème à vous, ce n'est pas les liquidités, donc la quotité, mais c'est plutôt mais combien il vous reste à la fin du mois, bien entendu, vous allez essayer de tirer le plus possible en longueur. Alors, l'analyste, encore une fois, il va se baser sur les chiffres du projet et sur le scoring. Encore une fois, l'analyste, il regarde votre scoring. Et l'analyste, il va regarder quoi? Il va regarder les garanties. Les garanties que vous lui proposez. Donc, l'hypothèque, si vous êtes prêt à mettre votre bien en hypothèque, un mandat hypothécaire, si vous voulez mettre des assurances en garantie, un nantissement, c'est vous bloquer de l'argent. Okay? Vous bloquez de l'argent en garantie. Une caution, et vous portez caution. C'est la même chose. On donne une garantie en plus. L'idée, c'est que le nantissement, généralement, c'est vous qui garantissez. La caution, vos parents peuvent se porter caution pour vous. Ça veut dire, si vous ne payez pas, on va aller chercher chez eux. Ce sont des garanties qui aident le décideur, l'analyste, à dire oui. Mais important, on va voir après, c'est ces garanties-là ne doivent pas toutes venir de vous. L'hypothèque, elle peut être sur votre bien, mais elle peut être sur la maison de vos parents. Idem, le mandat, ce sera sur le bien que vous achetez, mais vous pouvez demander un mandat sur un autre bien. Et l'autre bien n'est même pas obligatoirement le vôtre. Tant que la personne qui est propriétaire de ce bien-là vous autorise à faire un mandat, mais la banque, elle est rassurée par une garantie extérieure et elle va avoir beaucoup plus facile à vous prêter beaucoup plus d'argent. La même chose pour les assurances. Si vous ne mettez pas votre assurance pension en garantie, vous pouvez peut-être mettre l'assurance pension de vos parents en garantie. Encore une fois que vous touchez aux garanties qui ne vous appartiennent pas, ben il faut quand même être vachement sûr de son coût parce que vous mettez des autres personnes à risque. Mais ce sont des moyens d'aller chercher
d'aller chercher des garanties là où vous ne les avez peut-être pas, d'aller convaincre la banque pour un premier investissement. Encore une fois, vous faites un travail en amont pour trouver le bon bien. Donc ça, ce n'est pas le cas de la discussion d'aujourd'hui, mais on est d'accord qu'il y a, tout plein de paramètres à faire pour investir dans le bon bien, pour trouver le bon bien, pour faire tous ses calculs, être sûr, faire son étude du marché, bon, savoir ce qu'on fait. Là, on parle du financement, donc comment avoir les sous pour financer son bien. Mais voilà, si vous voulez juste avoir, pour avoir les sous pour financer votre bien, une fois que vous êtes sûr de vous, ben voilà, vous pouvez mettre en garantie des assurances qui ne sont pas spécialement les vôtres, un nantissement. Donc, vos parents ont du cash, ben, vos parents peuvent dire, ben, écoutez, moi, je prends un produit d'investissement dans votre banque et vous pouvez le bloquer pendant 3 ans pour garantir un prêt à 125% à mon fils. Tout simplement parce que ces 3 ans-là, dans 3 ans, ben, il aura remboursé sur son prêt, vous serez à moins de 100%, vous êtes content. Voilà. Donc, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, mais vos parents peuvent venir bloquer une somme d'argent qu'ils récupéreront dans X années. Donc, tout est défini à l'avance et ça peut se faire. La caution, moi, je suis moins chaud parce que la caution, ça veut dire que si vous merdez, on va chercher soit sur la pension de vos parents, soit le salaire de quelqu'un. Même, ça existe aussi. Quelqu'un se porte caution pour vous, ça existe. Voilà. Alors, donc, l'important, vous voyez, c'est ben, voilà, comment. Maintenant, jouer sur ces paramètres-là, maintenant qu'on sait comment le banquier réfléchit, mais comment faire pour ce petit point rouge, pour l'amener le plus près possible de la case verte. Alors déjà, une des premières choses dans sur laquelle il faut travailler pour rentrer dans les cases, hein, c'est maîtriser vos dépenses, donc avoir des bonnes pratiques bancaires. Il faut faire plaisir à la banque, il faut être un bon client. Il faut que la banque, quand ils voient votre compte en banque, ils se disent, tiens, c'est M. Dibarry, il sait gérer ses comptes, M. Dibarry, il n'a pas de dettes inutiles, M. Dibarry, il ne fait pas n'importe quoi avec son argent. Si on prête à M. Dibarry, il va me rembourser. Ouais. Donc, une chose, c'est qu'ils vont regarder 3 à 6 mois en arrière, selon les banques. Généralement, c'est 3 mois. Donc, si vous savez que vous voulez investir en 6 mois, commencez maintenant à épurer vos comptes en banque. Donc, il ne faut plus voir de choses inutiles, des dépenses injustifiées. Vous voulez acheter une télé, ben, pendant les 6 prochains mois, pas de télé, quoi. Pas de nouvelles télé, pas de nouvelles dépenses, des abonnements au club de foot. Surtout pas, vous voulez commencer à jouer au poker en ligne, c'est vraiment pas le bon moment. Ce sont des choses qui font vraiment peur aux banquiers sur vos extraits de compte. Okay, donc, il faut avoir il faut gérer son compte en bon père de famille, montrer à la banque à la fin du mois, tout, ça monte, tous les mois, ça monte. Hein. Et encore mieux, tous les mois, vous mettez un peu de côté. C'est parfait. Faites vraiment des efforts pendant cette période-là pour avoir 3 à 6 mois d'extrait de compte où vous êtes irréprochable. Ou quand la banque voit ça, elle voit un bon client, elle a envie de vous prêter. OK? Et croyez-moi, hein, ça prend du temps de trouver des bons biens. Parfois, on a un coup de bol, mais commencez maintenant à bien tenir vos comptes en banque. Par exemple, vous pouvez avoir un compte en banque sur lequel vous avez des dépenses un peu plus farfelues dans une autre banque que vous oublierez de montrer. Okay, mais les comptes en banque normaux, les comptes en banque usuels que vous allez montrer à vos banques, il faut qu'ils soient propres. Okay, les banques savent aussi où vous avez des comptes en banque. Mais bon, aussi, pas de crédit en cours. Ils n'aiment pas voir des crédits en cours parce que chaque crédit en cours va venir diminuer votre capacité d'emprunt, puisque ça a un impact direct sur votre taux d'endettement. Crédit voiture, crédit télé, mais aussi les cartes d'un supermarché. Tout ça, ce sont des crédits en cours. Et croyez-moi, ils le voient. Si vous ne l'avez jamais fait, maintenant, c'est un bon moment pour faire un petit exercice, pas tout de suite, mais vous le ferez après. C'est d'aller voir la banque centrale, la centrale des crédits, et voir ce que votre banquier voit. Donc, moi, je vous montre l'exemple, tout simplement. Si vous allez sur la Banque Nationale Belge, donc la Banque Nationale Belge, et vous cliquez sur Centrale des Crédits, OK? Là, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez les crédits aux particuliers et vous avez vos crédits. Donc, moi, j'ai téléchargé mon document à moi de crédit qui liste tous mes crédits. Bon, j'ai des crédits hypothécaires, vous voyez que je suis chez ING. Et ouverture de crédit, c'est ma carte de crédit. Ma carte de crédit, elle est là. Si j'avais un crédit chez Carrefour, une carte de crédit Cora, hein, elle serait là aussi. On les voit. Donc le banquier, il voit tout ça. Donc en Belgique, on ne cache pas ses prêts à son banquier. Tous les prêts hypothécaires que vous avez en Belgique, ils sont là. Et le banquier, il a accès à ça. La première chose qu'il va vous demander, c'est que vous signez un papier qui lui donne le droit d'aller chercher ces documents-là à la Banque Nationale. Okay?
Et c'est important. Parfois, vous avez des bêtises, des lignes de crédit en cours que vous n'utilisez pas. Vous avez 3-4 cartes de crédit, vous n'utilisez plus, elle est dépassée et tout. La ligne de crédit, si vous ne l'avez pas révoquée, elle peut encore être là. Et donc, vous allez sur la Banque nationale, site de la Banque, vous tapez Banque nationale de Belgique, centrale de crédit dans Google, vous y arrivez. Et vous pouvez aussi révoquer vos lignes de crédit inutilisées pour nettoyer votre rapport de crédit. Okay? Donc, ça, c'est important. Alors, on va faire ça. Je me rends compte que vous ne me voyez plus, ça peut être moins marrant. Allez, on va refaire un coucou, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Okay? Une première chose, c'est maîtriser vos dépenses et maîtriser vos crédits. Une deuxième chose qui est importante pour justement aller convaincre les banquiers, c'est de jouer avec les paramètres. Okay? Donc, vous avez la durée, la quotité et la loan to value. Ces trois gros paramètres-là, okay, c'est vous qui en avez la capacité. Parce que la loan to value, ben, vous avez l'expertise. Donc, amener une expertise correcte, ça sert toujours une bonne expertise. Si l'expertise est bonne, ben, voilà. La quotité, ben, si vous voyez que c'est vraiment trop dur dans cette banque-là d'arriver à plus de 100%, ben, vous essayez de comprendre. Elles sont où leurs cases pour rentrer dedans? Parce qu'une banque qui a décidé que non, jamais ils ne prêteront à plus de 100%, ça ne sert à rien de taper du 125%, ils ne vous le donneront jamais, point barre. Ce n'est pas une question de les convaincre ou quoi. Si la politique de la banque est dure à 100%, elle est dure à 100%. Donc ça, c'est une discussion avec le banquier pour savoir s'il dit 100% parce qu'ils n'aiment pas trop, mais ils peuvent prêter à plus de 100% s'ils ont une politique dure à 100%. La durée aussi. Ici, récemment, en gros, j'ai eu l'acceptation ce matin, donc c'est très récent. J'ai un crédit qui a été accepté pour 100%. 100% plus travaux. Donc on me prête 100% plus les travaux. Mais le banquier me l'a dit, il me l'a clairement dit quand on a discuté du crédit, c'est une discussion aussi. Il m'a dit, bon, je peux le faire sur 20 ans, mais si je veux que ça passe vraiment au siège facilement, ben, ce serait mieux en 15 ans. J'ai fait mes calculs. La durée, ben, c'est un levier en moins, donc je vais payer plus par mois, mais comme j'ai un bon cash flow sur ce crédit-là, ça ne me dérange pas de payer plus par mois. C'est important pour moi d'avoir le crédit approuvé rapidement et surtout à beaucoup de quotité. Ben, j'ai pris un crédit en 15 ans. Tout le monde vous dit de le prendre en 25 ans. Oui, c'est mieux en 25 ans. Mais je préfère un 15 ans à 100% avec 100% des travaux qu'un 25 ans à 80%, à 90%. Chacun sa situation. Okay? Aussi, il faut savoir que mon taux d'endettement, c'est pas ça qui bloque le plus chez moi, c'est pas le taux d'endettement, c'est vraiment les quotités, la capacité de cash qui bloque parce que j'ai pas assez de cash que pour investir énormément. Voilà. Alors, donc vous pouvez jouer sur les paramètres pour rentrer dans les cases. Et donc déjà en jouant dans ces paramètres-là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous vous démerdez pour rentrer dans la case orange, pour faire en sorte que votre banquier il a envie d'aller défendre votre projet et pour que vous soyez dans des paramètres où vous êtes non pas en dehors des cases, mais dans la case où ils peuvent dire oui. Okay? Il faut que vous soyez dans leur case orange pour qu'ils puissent vous dire oui. Et après, ben, il faut les convaincre de vous dire oui. Donc, il y a d'autres paramètres sur lesquels vous allez jouer. Le scoring. Et le scoring, mais améliorer votre scoring. Vous savez qu'il y a un scoring. Vous savez qu'ils vont regarder à ça. Donc, vous avez déjà amélioré la tenue de vos comptes en banque. Mais peut-être qu'en investissant 3, 4, 500, voire 1 000 euros dans un produit financier de la banque, vous avez sauté en scoring. Et vous avez passé de client moyen à bon client. Vous avez passé du gars, OK, monsieur tout le monde, à monsieur à qui on a envie de faire plaisir. Hein? Moi, j'ai l'avantage, j'ai pris quelques actions chez ING, j'ai pris des fonds de placement dans le temps, mais mon scoring a augmenté. Même si je les ai revendus depuis, c'est pas grave, mon scoring il a augmenté, je les ai revendus, mais mon scoring il est là. Okay? Donc ça, c'est quelque chose, vous pouvez avoir une discussion avec votre banquier. À un moment, si vous voulez vraiment investir, vous allez devoir avoir de bonnes relations avec les banques. Ce sont vos amis, ils sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, à un moment où la relation commence à être établie, à lui demander tout simplement, mais voilà, quel produit financier est-ce que vous me conseillez pour que je puisse améliorer mon scoring? Tout simplement. Et ils vont vous dire, ben voilà, tel produit, ça dépend des banques. Chez Belfius, par exemple, il y a un fonds de placement sur l'égalité, comment est-ce qu'on dit je ne sais plus comment on dit en français, excusez-moi, mais en gros, gender equality, okay, gender balance. Donc, ils ont un fonds de placement qui est orienté là-dessus, quoi. Mais pour le moment, en tout cas jusqu'à fin 2020, c'est ce qui vous aidait beaucoup en scoring. Vous prenez ça, ils avaient besoin de vendre ça, ça faisait plaisir aux banquiers d'acheter ce fonds de placement-là. Voilà, c'est tout.
C'est des questions qu'il faut poser. Alors, un truc qui va super bien, c'est des versements automatiques d'épargne. Ça marche super bien parce qu'il voit une capacité à rembourser. Vous mettez tous les mois 500 euros sur un compte, okay? Ça veut dire pour eux que si vous n'y touchez pas, que tous les mois, vous êtes capable de mettre 500 euros de côté. Ça veut dire que tous les mois, vous êtes capable de payer 500 euros de prêt. Okay? Ça, c'est important. Ça, c'est aussi quelque chose qui leur fait plaisir. Alors, on parle de scoring. Je vois que Grégory qui demande le scoring, on le voit comment? Mais vous ne voyez pas. C'est le banquier qui le voit. Allez. Et il y a peu de chances pour qu'il vous donne votre scoring. Donc, si vous allez à la banque et vous lui demandez c'est quoi mon scoring, pas top. Vous allez à la banque et vous lui demandez comment je peux améliorer mon scoring. C'est pas la même chose. Okay? De toute façon, vous allez ressentir un scoring. Si vous êtes bon client, il va vous traiter enfin, il va être plus ouvert aux prêts un peu moins conventionnels. Si vous arrivez dans une banque et que le gars il vous parle que de 80% en 15-20 ans au maximum, ben vous savez que vous n'avez pas ouvert toutes les portes parce qu'il n'y a aucune banque qui est bloquée à 80% en 15 ans. Toutes les banques peuvent faire mieux. Okay? Donc, voilà. Mais le scoring, généralement, il ne vous le donne pas. Et en plus, s'il vous donne un chiffre, ça peut ne rien vouloir dire pour vous, quoi. Parce qu'il y a des banques qui ont un scoring, plus le scoring est bas, mieux c'est, d'autres, plus le scoring est haut, mieux c'est. Donc, soit. Une autre manière de les convaincre, donc là on parle vraiment de les convaincre, hein. Donc on parle vraiment ce petit bonhomme bleu de le transformer tout doucement en un petit bonhomme vert. Donc on est toujours dans l'orange, mais cette fois-ci on va avoir l'acceptation, et bien, les garanties, le nantissement, la caution, les assurances, vous les rassurez. Vous les rassurez au fur et à mesure du temps, comme quoi l'important pour eux c'est que vous allez rembourser. Vous allez rembourser. Donc, et que si vous ne remboursez pas, ils ont quelque chose pour se protéger. Donc, ça les aide à dire oui. Voilà, bah écoutez, on a déjà dépassé un tout petit peu donc, le temps. J'espérais qu'on. Voilà, j'espérais rester jusque 10 heures, questions comprises. Donc, on va rester un peu plus longtemps. Moi, je suis toujours là pour les questions. Mais j'ai déjà parlé beaucoup. On arrive tout doucement vers la fin. Donc, j'espère que on a vraiment bien discuté, ben, que vous avez bien compris donc, les paramètres d'investissement qui sont importants, les effets de levier et comment avoir cette acceptation bancaire. Et donc, mais on va passer. Et pour ceux qui sont intéressés, okay, pour ceux qui sont intéressés, je vous offre aussi, ben, si vous voulez, une session de discussion gratuite. Donc, comme vous le savez, je fais du coaching en immobilier, j'aide des gens à investir en immobilier. Okay? Et ben, si vous voulez un peu d'aide sur votre projet à vous, donc quelque chose de personnalisé, ben, vous pouvez avoir une session gratuite avec moi où on discutera de votre projet à vous, où on discutera de vos questions en détail. Voilà. On va passer à toutes les questions juste après. Le calculateur, okay? Le calculateur, c'est un calculateur Excel. Et vous allez donc avoir accès à ce calculateur à télécharger et une petite vidéo qui vous expliquera comment utiliser le calculateur. Alors, vous voyez, c'est vraiment un calculateur qui vous permet de faire plusieurs choses, OK? Qui vous permet donc, entre autres, de calculer le prix. Mais aussi ici, vous avez, ben, je vais prendre le calculateur, en fait, tout simplement, et vous montrer comment ça marche. Voilà. Hop, Excel. Voilà, on va ouvrir Excel, ok. Ça, vous allez voir en live, ok, je vous mets en grand. Et donc, c'est facile, vous tapez un prix, donc là, on est à 100 000, on va mettre 150 000 euros d'achat, et il va mettre tout à jour, ok, il va mettre tout à jour. Donc, vous rentrez quoi? L'apport que vous avez combien vous avez en poche, le revenu cadastral. Vous allez voir que si je change le revenu cadastral, c'est les charges qui vont changer. Donc, si je mets 700 euros de revenu cadastral, les charges changent. Et combien vous espérez louer ce bien? Combien il est loué? Par exemple, pour un bien de 150 000, pour avoir quand même quelque chose de pas mal, on va mettre qu'on a allez, 1100 euros de revenu locatif. Okay? Et ce calculateur, ben, voilà, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit plusieurs choses. Et vous avez le tableau ici coloré. Déjà, le tableau, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous avez 50 000 euros de travaux, en plus des 150 000. Okay? Et donc là, j'emprunte avec les travaux. Et donc, je vais le mettre en grand écran, comme ça vous voyez mieux. Et donc, ce que ce calculateur vous dit, ben voilà, si vous achetez quelque chose à 150 000, ça va vous coûter 176 000 à l'achat, plus 50 000 de travaux, vous êtes à un coût total de 226 000 euros, avec 1 100 euros de revenus locatifs.
desquels vous allez devoir enlever 124 euros de charge, il vous reste ça hors charge dans votre poche. Ben voilà, avec ça, ben avec les taux actuels, j'ai mis un taux à 1,50%. Ben si vous avez un taux à 1,50%, il vous faut, selon vos fonds propres, il vous faut 110%. Sinon, vous êtes en rouge dans les fonds propres, vous voyez? Parce que si vous n'avez pas plus de 100%, ben vous n'avez pas assez de cash que pour vous permettre ce crédit-là. Parce qu'il y a plus de frais que ce que vous avez de cash. Donc là, vous êtes à 110%. Et donc, à 110%, mais vous voyez que si vous prenez un prêt à 110%, donc vous empruntez 215 000 euros, avec un taux à 50, en 25 ans, ben vous n'êtes pas très bien parce que vous êtes à 859. Donc, vous êtes très proche de votre limite, quoi. Vous avez un cash flow mensuel pas très grand. OK? Le cash flow est à 100%. Donc, il vous faut 110%. Vous pouvez mettre 110% ici. À 110%, il vous reste 45 euros de cash flow mensuel. Vous êtes toujours en autofinancement. OK? Vous êtes toujours en autofinancement, mais vous n'êtes plus qu'à 45% de cash flow mensuel. Alors, ben voilà, vous savez que si vous retournez vers le vendeur et que vous avez le même bien, mais vous le prenez à 140 000 au lieu de 150 000, et voilà, là, vous êtes au vert. Oui, 14 000, j'espère bien que vous êtes au vert. 140 000. Voilà, vous êtes déjà un peu mieux. Vous avez déjà plus de cash flow. Okay. Donc ça vous permet en une fois, vous tapez tous les biens que vous cherchez, vous les tapez là-dedans. Donc vous créez un fichier par bien. Vous avez tout de suite des paramètres de comparaison entre les biens et vous savez où vous allez en fonction des biens. Alors comme je vous dis ici, vous avez une page d'estimation. Donc il y a les valeurs qui sont calculées. Par exemple ici, le revenu cadastral est calculé directement, le précompte est calculé et l'assurance est calculée en valeur de base, mais vous pouvez rechanger à la main ces valeurs-là. Et aussi important, c'est mon dossier à moi, donc moi je mets toujours 10% en gestion. Moi mes biens, je suis en Espagne, mes biens ils sont en Belgique, donc ça me coûte 10% de gestion. Si vous gérez vos biens vous-même, vous pouvez vous permettre de ne pas mettre de frais de gestion, et tout de suite ça va changer les paramètres du tableau, vous voyez. Parce que la gestion, si elle rentre dans votre poche, ben, c'est du cash flow en plus. Voilà, donc ça c'était vos petits calculateurs, donc vous y aurez accès. Et après, Bank Hunter. Mais Bank Hunter, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est développé avec Nouvelle Académie. Et c'est tout simplement une base de données de gens comme vous, comme moi. Qu'est-ce qu'on fait? On met dans la base de données toute notre demande de crédit. Et dans cette base de données où on met notre demande de crédit, ben, vous pouvez voir ben, qui donne ben, quoi. Par exemple, ici, vous remarquez que dans les demandes de crédit qui sont affichées, ben, il y en a deux. Hein. Deux où on nous fait des offres à 80% de quotité. Et les autres offres, elles sont à 115, 90% de quotité. Voilà. Dans quelle banque les offres ont été faites, si on est passé par un courtier ou pas. Voilà, vous avez toutes ces informations-là qui sont. Bon, il y a plus d'informations. Hein, le tableau scrolle un peu. Vous avez un peu plus d'informations, mais en gros, on va vous donner accès à cette base de données. Et bien entendu, ce qu'on va vous demander aussi, ben c'est ouais, jouer le jeu, rentrer vos crédits aussi, ça va permettre à tout le monde d'avoir plus d'informations. Mais surtout, ça va vous permettre, ben vous avez absolument besoin d'un crédit à plus de 100%, vous tapez le filtre à crédit à plus de 100% et vous savez quelles sont les banques qui donnent des crédits à plus de 100%. Donc ici déjà, ben vous savez que Record Bank, il donne à plus de 100% et NN Insurance, il donne à plus de 100%. Voilà, donc déjà, ça va vous aider aussi dans vos recherches pour aller vers les banques. Après, n'allez pas avec des gros sabots dans une banque, monsieur, j'ai mon outil qui me dit que vous pouvez prêter à autant. Non, encore une fois, ça dépendra des profils, mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui l'a eu. Donc ça veut dire que la banque, vous êtes dans les soft limits, vous êtes vous êtes vraiment à un endroit où, okay, où vous pouvez avoir ça. Donc ça, c'est important. C'est un outil qu'on trouve super intéressant et on vous donne accès en bêta à cet outil. Alors, tout simplement, le lien que je vous ai donné, okay, je pense qu'on y a répondu. Bah oui, l'immobilier, on n'est pas sûr s'il va descendre ou pas avec Covid. On n'est pas sûr s'il va descendre avec Covid. Alors, Nora, qui me demande où trouver une maison à 75 000 euros? Ben, j'y dis. Voilà. La maison que j'ai prise à 75 000 euros, c'est à Gilly. Vous avez vu qu'il y avait quand même des travaux derrière. Okay, bon, c'est vrai que beaucoup de gens, moi je viens du Hainaut, je viens de Châtelet, donc du côté de Charleroi, donc j'investis autour de chez moi. Et c'est vrai que les maisons sont moins chères dans le Hainaut que dans le Brabant wallon, on est d'accord. Mais il y a tout plein de possibilités de trouver des maisons à moins de 100 000 euros encore, avec travaux. Bien entendu, ce n'est pas la maison qui est prête clé sur porte. Donc, voilà.
Alors, je continue, je continue. Alors, ça c'est intéressant. Ben, les banques acceptent 80% de loyers locatifs comme empruntables. Je crois qu'on a vraiment répondu à ça, Gaël. Non. Les banques, elles vont vous dire 80% parce que c'est leur petite boîte verte. Mais vous pouvez aller mieux. La preuve, je vous dis, ce matin, j'ai reçu une offre acceptée. Cette fois-ci, c'est de Belfius, pas d'ING. Voilà, pour un prêt à 100%, point barre. C'est tout. OK? Et quand on dit 80% de loyer locatif, quand elle valorise les loyers, une banque va valoriser les loyers différemment si ce sont des loyers existants ou des loyers fictifs, on va dire, des loyers estimés. Donc, quand vous allez à la banque et vous lui dites, ben voilà, ce bâtiment-là, il va rapporter 1 000 euros de loyer, ce n'est pas la même chose si vous lui dites, il va rapporter 1 000 euros de loyer, mais il n'y a personne dedans, mais voici une étude du marché de 1 000 euros de loyer. Là, en fait, ils vont même peut-être prendre que 70%. Que 70% des loyers. Donc, ils vont compter 700 euros de loyer qui rentrent. OK? Donc, oui, vous devez être en autofinancement sur 700 euros. Point barre. C'est plus difficile, mais ce n'est pas grave, c'est faisable. Mais par contre, si vous avez déjà des locataires dedans et que les locataires paient réellement 1 000 euros de loyer, eh bien, selon les banques, il y a des banques qui vont prendre 1 000 euros de loyer. Point barre. Ils vont compter que vous avez 1 000 euros de rentrée en plus après l'achat, tout simplement. Et là, encore une fois, ça dépend des banques. ING, ils ont beaucoup de mal avec ça. Mais donc ING, si ce sont des loyers normaux, les loyers de colocation, ils prennent toujours 70%, mais les loyers normaux, s'ils sont prouvés, donc avec le bail et les extraits de compte, ils prennent 100%. Belfius, ils sont un peu plus cool, ils prennent 100% aussi sur les loyers en colocation, en tout cas chez moi. Après, encore une fois, ça peut dépendre de l'agence, ça peut dépendre de comment votre dossier est fait. Ouais, voilà. Alors, Suzy qui demandait, est-ce qu'on peut trouver des biens à 75 000 euros dans la région de Liège? Je suppose que oui, il faut chercher. Mais là, c'est vraiment de la recherche. Et ça fait longtemps que j'ai plus cherché à Liège. Donc, je suppose que oui, il n'y a pas de raison. Alors là, je suis en train de lire les commentaires. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Vous avez été prolifique, c'est génial, il y a tout plein de commentaires. Encore une fois, les banques mises sur les vacances locatives, loyer impayé. Ah oui, vous pouvez compter ça. Moi, par exemple, dans mon tableau Excel, si vous regardez le tableau Excel, vous allez le télécharger, il est marqué le tableau, c'est 90%. Donc, il y a 10% de vacances locatives dans le tableau Excel qui sont déjà pris en compte. Donc, quand vous montrez ça à votre banque, vous avez déjà pris en compte 10% de vacances locatives. Donc, moi, je leur dis carrément, voilà, moi, je fais mes calculs avec 10% de vacances locatives. Et si le gars me dit, OK, c'est bon. Sinon, on comptait 15%, ben, 15% et puis c'est tout, quoi. C'est juste de savoir où on est en fonction de la banque. OK? Ah, ben, ça, c'est sympa. J'ai acheté une maison 42 000 euros avec garage. Je loue 400, location et garage. La banque n'a pas voulu 100%. Mais pourquoi est-ce que la banque n'a pas voulu 100%? Parce qu'encore une fois, le projet, c'est qu'une partie. Le projet, c'est votre banquier qui va aller décider d'aller dans cette zone orange. Mais pour vous le donner dans la zone orange, ce n'est pas que sur le projet. C'est sur ben, votre situation, vos garanties, l'envie de la banque de le faire. Donc oui, je sais, c'est frustrant. On va à la banque avec un projet, c'est super en autofinancement, on a de l'argent qui tombe et on ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas nous prêter. J'espère que vous avez compris pourquoi. Parce qu'encore une fois, vous voyez, quasiment à aucun moment dans mes slides, je vous ai dit que la banque prenait ça réellement en compte. Ils prennent juste vos 400 euros de loyer qu'ils vont pondérer en fonction de leur manière de pondérer. Et c'est tout. C'est vraiment tout le reste qui fait qu'on arrive à avoir une acceptation bancaire. Donc, aller juste avec un super bon projet en main, en se disant, regardez, j'achète un super bon projet, j'ai une super bonne affaire, ça ne suffit pas. Il faut se mettre dans les bonnes grâces de la banque, se mettre dans les bons paramètres. Voilà. OK. Alors, je continue. Les slides. Ouais, je vais voir pour faire pour sauvegarder les slides et les mettre dans les bonus, pourquoi pas. Alors, on va aller là.
Si, le revenu locatif est imposable. Donc, je vous ai expliqué comment il est imposé le revenu locatif. C'est toujours le RC qui est ajouté à votre base imposable en personne physique. En société, c'est différent. En société, c'est juste imposé à l'impôt des sociétés physiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde un tout. Alors, ça c'est intéressant. Le taux d'endettement. Je suis en train de lire vos commentaires. Excusez-moi, il me faut un peu de temps parfois pour lire. Donc là, j'espère que je vous ai expliqué. C'est tout. Le taux d'endettement, c'est vraiment un tout global. Okay? C'est toutes vos rentrées d'argent sur toutes vos dépenses. C'est ça le taux d'endettement. Ben oui, c'est ben, changer de banquier. Ou alors expliquez-lui avec essayer de l'aider à prendre plus de 80% des loyers, mais ça dépend de toutes les banques. Et encore une fois, s'il prend que 80% des loyers, c'est à vous à trouver des loyers dont 80% couvrent le crédit, c'est tout. Voilà. Belfus non plus, ben si, 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 Belfus, si. Ils peuvent aller jusqu'à 100% des loyers, c'est tout. N'oubliez pas encore une fois qu'il y a une différence entre ce que le banquier va vous dire pour vous dire non et ce que le banquier va bien vouloir accepter en fonction de votre profil. On est d'accord? Je vous ai expliqué, hein, c'est un tout. Et si votre banquier dit on prend que 80% des loyers, et vous lui dites OK, prenez que 80% des loyers, et vous lui disiez, mais monsieur le banquier, je comprends si c'est des loyers estimés, mais regardez ici, j'ai tous les baux et j'ai tous les extraits de compte qui prouvent que les loyers ils sont existants. C'est ça le mot-clé, existant, des loyers existants ou des loyers estimés. Si ce sont des loyers existants, ils peuvent prendre plus que 80%, même chez Belfius. Alors, et n'oubliez pas, vous aurez des meilleures relations avec une banque qu'une autre, une banque n'est pas l'autre. Ah, ça c'est joli comme question. Alors, je vais aller la chercher. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Voilà, ça c'est une belle question. Est-ce qu'il est possible de retrouver les critères d'acceptation des différentes banques belges? Ben, si vous n'êtes pas courtier, bonne chance. Voilà. Si vous n'êtes pas courtier, bonne chance. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, ça change souvent. Je vous donne un exemple très très clair. Il y a maintenant un peu plus de 3 semaines. Donc, je fais un prêt chez ING pour un appartement. Okay? Et jusqu'il y a 3 semaines, il me prêtait ben, jusqu'à 80% du prix. Voilà, c'est tout. En personne physique, j'étais dans les paramètres, cette fois-ci, de 80%. Okay? Donc, on me prête 80% du prix. Voilà. Et la règle a changé il y a 3 semaines. La règle a changé. Ils ne sont plus dans cette période Covid, machin de peur, où ils étaient à 80% dans mon cas. Ils sont passés à 80% non plus du prix, mais 80% à LTV. Et comme j'ai une expertise pour un appartement, bon, je vous le dis, j'ai un appartement que j'achète 55 000 euros, il est expertisé à 90 000, mais faites 80% de 90 000, on a plus de 55 000 euros, donc ils me prêtent 100% de mon appartement. Tout simplement parce qu'il y a 3 semaines, au siège, ils ont changé la grille des règles, et la règle est passée de 80% du prix à 80% de la LTV. Voilà. Et ça a changé il y a 3 semaines. Donc j'ai fait ma demande de prêt. Il y a un peu plus de 3 semaines, heureusement, je connais mon banquier chez ING, il est assez sympa, on est en bon rapport. Et là, voilà, j'ai reçu l'info, Stéphane, on peut changer parce que la règle a changé, on a reçu des nouvelles règles. Mais par contre, dans une semaine, la règle a peut-être changé, donc il faut que mon dossier soit rentré maintenant. Une fois que le dossier est rentré au siège, il est rentré avec les règles d'aujourd'hui. La règle change demain, votre dossier il est plus impacté parce qu'il est déjà rentré dans le système. Okay? Ça, c'est important. Par contre, si après vous avez demandé, ah oui, mais bon, je veux moins de taux. Vous relancez le dossier au siège et donc vous repassez à la nouvelle règle. Donc ça, c'est encore une fois, si vous voulez négocier le taux, moi je vous conseille toujours de négocier le taux après avoir eu l'acceptation, la première acceptation. Vous voulez investir, il vous faut un oui. Il vous faut un oui quelque part pour pouvoir avancer. Une fois que vous avez un oui quelque part sur papier signé, mais vous pouvez commencer à chipoter, à essayer d'avoir d'autres oui, à essayer d'avoir des oui meilleurs, mais essayez d'en avoir au moins un, parce que comme ça vous savez que vous allez pouvoir signer votre acte, que votre clause suspensive, si vous en avez une. Pas là, et si vous n'en avez pas, ben vous dormirez mieux la nuit en sachant que vous avez un prêt. Parce que si vous n'avez pas mis de clause suspensive et que vous n'avez pas de prêt, vous êtes dans la merde. Mais bon, c'est aussi voilà, les risques que certaines personnes prennent.
Voilà, je ne citerai personne. Mais voilà. Donc, encore une fois, les critères d'acceptation, ils peuvent changer au jour le jour. Ils peuvent changer parfois. Pendant le Covid, je sais que sur 3 mois, ils ont changé 3 fois, quoi. Non. C'est une banque. Et chaque banque change à des moments différents. La Banque nationale, elle n'a pas changé depuis janvier 2020. La Banque nationale a donné ses crédits en janvier 2020, elle a donné ses directives. Elle ne les a pas changées. OK? Elle n'a pas changé ses directives. Mais chaque banque s'adapte différemment. N'oubliez pas, les critères de la Banque nationale, je vous les ai donnés. Ils sont là, ils sont publics. Mais chaque banque a ses propres critères en interne. OK? Ok. Est-ce qu'il faut être dans plusieurs banques? Alors, est-ce qu'il faut être dans plusieurs banques? Alors, ça, j'ai deux questions qui sont assez intéressantes. On va aller les chercher. Alors, ici, est-ce qu'il est intéressant de bloquer 20 000 euros comme garantie? Est-ce qu'on ne sera pas bloqué par la suite des investissements? Ok. Alors, le nantissement, c'est intéressant parce que ça plaît beaucoup à la banque. Mais quand vous dites bloquer 20 000 euros, c'est bloquer 20 000 euros en nantissement à la banque. Alors, au prix où sont les prêts maintenant, vous empruntez 20 000 euros sur 20 ans. Donc, vous empruntez 20 000 euros en plus. Hein. Donc, vous bloquez 20 000 euros, donc c'est 20 000 euros que vous empruntez à la banque, quelque part. Donc, vous lui donnez 20 000 euros de cash pour qu'il vous donne une meilleure quotité ou pour qu'il vous donne les meilleurs. Hein. Mais ces 20 000 euros-là, quelque part, on va dire, si vous arrivez à emprunter plus, ce que vous l'empruntez sur 20 ans, mais la somme que vous la bloquez peut-être sur 3, 4, 5 ans maximum. Donc, vous allez pouvoir récupérer ces 20 000 euros beaucoup plus vite. Et une autre manière de récupérer votre somme bloquée, ça, c'est un autre truc, donc c'est une astuce, c'est super intéressant. Donc, la banque, il regarde à l'instant T. Donc, quand vous faites votre demande de crédit, la banque, ils se focalisent beaucoup sur le prix d'achat. La banque, ils aiment bien la quotité. Donc, la quotité, c'est le prix d'achat. Mais une fois que vous l'avez acheté, votre bien, le prix d'achat, il n'est plus là, vous ne l'achetez plus, il est à vous. Donc, on repasse automatiquement de la quotité à loan-to-value, LTV. Et vous avez vu que le LTV est plus intéressant souvent, parce que vous achetez bien, donc vous avez une bonne expertise, donc vous achetez en dessous du prix du marché, logiquement, okay, donc vous avez un bon prix. Et donc, votre LTV est plus intéressant que votre quotité. Donc, comme vous repassez sur la LTV, vous retournez chez votre banque et vous dites « Oui, mais je vous avais bloqué 20 000 parce que vous étiez à 110%. Ben, écoutez, maintenant, je rachète ça, j'ai racheté ça entre-temps. » Sur ce crédit-là, on n'est plus qu'à 90%. Regardez la valeur, on n'est plus qu'à 90%. Est-ce que vous voulez bien me relâcher mes 20 000 euros parce que j'ai des travaux à faire quelque part? Et vous les avez peut-être récupérés en 2 ans. Tout simplement parce que vous avez une bonne expertise. Donc, vous jouez sur des paramètres. Et le banquier, ce qu'il va voir, c'est « Ah oui, vous avez une expertise, vous avez acheté 100 000 euros. » Il a oublié que vous avez acheté 100 000 euros. Il voit une expertise à 150 000 euros. Il a oublié qu'il vous avait prêté 110%. Maintenant, ce qu'il voit, c'est que vous avez une dette qui vaut 80%. Ben, vous êtes bon. Ben, vous lâchez vos 20 000 euros. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est une super bonne question. Oui, si vous pouvez vous le permettre, ça peut faciliter énormément parce que la banque adore ça. La banque adore ça. Mais bon, voilà. Après, il faut jouer avec le cash. Alors, une autre question. Julien, est-ce qu'il faut être dans plusieurs banques? Ben, on va être honnête. Hein. Oui et non. Oui et non. Au début, quand on commence à investir, pas spécialement, tu vois. Si tu as une bonne relation avec ton banquier, moi j'ai de la chance, j'ai une très bonne relation avec mon banquier. ING, c'est pas la meilleure banque, on va dire, pour les prêts en investissement. Hein. Ils sont pas super facile, mais j'ai de la chance, j'ai une très très bonne relation avec ma banque. Et donc, comme j'ai une très bonne relation avec ma banque, ben, j'arrive souvent à avoir une belle acceptation, même si je suis très dans le jaune, tu vois. Donc, moi, ça m'arrange. Est-ce que j'avais besoin de prendre des comptes partout pour avoir des comptes dans toutes les banques? Pas spécialement. Mais maintenant que je commence à investir en société, que je commence à avoir un certain nombre de biens et que ben, mon banquier me l'a dit, j'arrive à des sommes, voilà, où la banque commence à être un peu plus frileuse, ben oui, c'est bien d'avoir plusieurs banques. C'est bien d'avoir plusieurs banques parce que tu crées des relations avec plusieurs... Le but, c'est de créer des relations avec plusieurs banquiers. Donc, il faut accepter de temps en temps d'aller chercher quelque chose qui pourrait être un tout petit peu moins optimisé dans une banque pour dire d'avoir une relation avec une banque. Parce qu'une relation avec une banque, ça se crée, tu as des produits, tu as des prêts, voilà. Parfois, ben oui, tu acceptes un taux un peu moins bon dans une banque plutôt que dans une autre parce que tu as envie d'avoir une relation avec cette banque-là parce que tu sais que
leurs paramètres d'acceptation sont plus larges et que ben, quand tu auras un projet difficile, eux vont t'aider plus. Donc oui, c'est bien d'avoir plusieurs banques. Il ne faut pas exagérer non plus, mais si tu peux te permettre d'avoir plusieurs relations avec des banques, oui. Maintenant, ben, il faut être honnête, pour les gens qui sont peut-être au chômage, qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui sont sur leur premier bien, ben, de toute façon, vous êtes nouveau dans toutes les autres banques, hein. La relation, elle se crée au fur et à mesure. Et si tu n'as pas de quoi faire des mouvements, si tu n'as pas de quoi mettre de l'argent, ben, la banque, un compte à zéro, c'est juste un compte à zéro, ça ne va pas améliorer ton scoring énormément. Voilà. Hop. Oups, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ah, ça, c'est aussi une question sympa. Alors, elle est où la question sympa? Attends, je cherche 2 secondes. J'ai une autre question sympa, 2 petites secondes. Ici, voilà, Amalia. Amalia, voilà une bonne question. Un banquier me propose 100% et ne pas dire que c'est pour de la location. Mais qu'est-ce qu'on risque? Ben en gros, tu risques rien. On va faire simple, hein. Tu risques rien. Le plus gros risque que tu peux avoir, c'est si la banque s'en rend compte avant et qu'on te dise non. Ça, c'est ton plus gros risque. Si ça passe, ben, c'est passé, c'est tout. Tu as changé d'avis. On t'a donné ton crédit. Ben voilà. Ah, tu devais emménager dans cette maison avec ton copain, vous avez cassé. Ben voilà, tu as la maison sur les bras, tu l'achètes quand même et tu la loues. C'est tout. Voilà. C'est comme ça. Ça arrive, les aléas de la vie. Tu as le droit de changer d'avis. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça c'est complètement différent. Si tu prends des aides de l'État, si tu prends des primes ou quoi que ce soit, là c'est différent. Parce que là, tu es obligé de vivre dedans pour justifier la prime. Mais l'acceptation bancaire, ah, t'as dit que c'était pour toi vivre dedans, tu vis plus dedans, ben voilà. Ça peut arriver, ça peut arriver. Alors, je suis en train de continuer à scroller les questions. Ok. Alors. Il y a quelqu'un qui me demandait si voilà, le live va-t-il rester sur la page Facebook? Le live va rester sur la page Facebook un petit peu. Je verrai après si je le garde ou pas. Ouais. Surtout quand on passera à la version où on sera plus bêta sur les outils. Peut-être que une fois que les cadeaux seront plus là, ben, j'enverrai peut-être le live aussi. On verra. Mais il restera en tout cas une semaine ou deux sur la page Facebook pour ceux qui sont intéressés. Eh bien, écoute, Nora, de rien, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, voilà une autre question intéressante. Dans quel cas conseille-t-on la franchise de capital? Alors, la franchise de capital, il y a deux types de franchise de capital. Il y a la franchise de capital où tu fais tes travaux, OK? Et il y a la franchise de capital totale où, ben voilà, c'est comme un crédit boulette. Donc, en gros, tu rembourses pas de capital pendant ta durée de crédit. Alors, tu as deux choses qui rentrent en compte dans la franchise de capital. Mais tu payes moins, tu rembourses pas de capital. Ça veut dire que ta dette, elle reste là. Okay? Elle ne diminue pas. Donc, non pas ce que tu payes par mois, mais ta dette. Et donc, dans 10 ans, si tu as emprunté 150 000 euros, tu devras toujours 150 000 euros. Tu n'auras pas amorti de capital. Donc, il faut en gros savoir qu'est-ce que tu fais du cash. Le cash qui rentre dans ta poche. Qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu vas payer pendant 10 ans des intérêts sur 150 000 euros au lieu d'avoir des intérêts dégressifs. Donc, si tu fais quelque chose de ce cash, si tu as un investisseur qui n'arrête pas d'investir et que tu vois un intérêt dans le cash, tu veux vivre par exemple de ça, tu veux être indépendant financièrement, tu veux vivre de tes investissements, mais tu auras besoin de cash. Tu as besoin de cash tous les mois pour vivre. Donc, la franchise en capital va t'aider dans le cash tous les mois pour vivre. Par contre, si comme moi, tu es un investisseur qui fait ça un peu sur le côté où tu as des revenus normaux, donc moi je vis de mon travail, on va dire, voilà. Mais la franchise en capital, c'est bien, oui, pendant le temps des travaux, parce que ça me fait du cash et tout, que j'utilise après ce cash-là, les 20 000 euros de cash que j'aurai sur 2 ans de franchise en capital, ça veut dire que dans 2 ans, j'ai 20 000 euros pour réinvestir, tu vois. Mais
Tirer, avoir 2 ans de franchise en capital sur travaux, c'est facile. Avoir un crédit boulette, c'est plus compliqué. Tu auras des taux plus élevés, c'est d'autres banques aussi. Voilà. Donc, c'est moins commun. Mais moi, ça ne m'intéresse pas trop les crédits boulettes pour le moment. Pourquoi? Parce que je préfère rembourser du capital, faire plaisir à la banque, voir ma dette qui diminue, réexpertiser mes biens et retourner avoir une loan to value. Tu vois, ma loan to value, elle est en dessous de 80. Toujours en dessous de 80 pour qu'on puisse me prêter. Si tu fais une franchise en capital, ben, ta loan to value, elle ne descend pas avec le temps. Donc chaque fois que tu en rajoutes, elle monte, elle monte, elle monte. À un moment, c'est ça qui va te bloquer, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas où on peut voir ça. Voilà. À rigueur, si tu veux, ben voilà, j'ai proposé une session gratuite. Ben, tu peux prendre une session gratuite et on peut discuter des chiffres dans ta situation, si tu veux. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tiens. Alors, Lucky Jess, j'aime bien ça, Lucky Jess. Quels sont les points auxquels il faut faire attention pour l'acquisition d'un bien mix, commercial plus un logement? Ben, l'acceptation de ce matin, c'était pour ça, un rez commercial et un appartement. Ce n'est pas la même chose. Donc, en gros, tu rentres dans d'autres paramètres. Okay? Tu rentres dans du. Dans ton acceptation bancaire, tu rentres dans un projet mixte. Voilà, tu rentres dans un immeuble de rapport, puisqu'il y en a plusieurs. Tu as du commercial, donc tu dois prouver que tu sais gérer du commercial. Tu dois prouver que tu vas comprendre que tu vas avoir un loyer commercial qui sera taxé différemment. OK? Avec des baux différents. Les baux commerciaux, ce n'est pas les baux d'habitation, c'est les baux à 9 ans. Avec des contraintes différentes. Un beau commercial, par exemple, souvent, c'est le locataire qui paye le revenu cadastral de la partie commerciale, pas toi. Donc, en gros, pour la banque, dans l'acceptation bancaire, tu dois montrer que tu sais gérer ça, que tu sais où tu t'amènes. Donc, tu viens avec les baux commerciaux. Si tu achètes un bien avec un commerce qui n'est pas encore loué, il faut venir peut-être leur montrer que tu sais attirer des clients. C'est-à-dire que tu peux faire un plan financier pour un potentiel commerce qui serait là pour leur dire, voilà, moi, je pourrais louer un commerce à autant parce qu'un commerce, il peut rapporter autant là. Il faut leur montrer, voilà, que le commerce, il va rapporter. Sinon, sinon, voilà, ils vont valoriser ça différemment. Donc, ça pourrait être plus difficile. Mais le mieux, tout simplement, encore une fois, on est en création de rapport. Ben, tu demandes à ta banque. Tu leur demandes clairement, de but en blanc, voilà, j'ai un projet commercial, il y a un commerce et un logement. Voilà, je veux faire une demande de crédit chez vous. Quels sont les points importants auxquels je dois faire attention dans ma demande de crédit? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si tu n'as pas encore acheté, que tu leur dis je veux acheter ça, ben, j'ai ça en vue. Ben, voilà. Quels sont les paramètres qui vont faire que vous allez pouvoir me prêter l'argent facilement, en toute sécurité? Et tu vas pouvoir jouer là-dessus. Donc, autant leur demander à eux. Encore une fois, ça dépend du commerce. Les banques, ils ont différents types en fonction du type de commerce aussi. Il faut savoir aussi. Si tu fais de l'Horeca, les banques n'aiment pas. Donc, en fonction du type de commerce que tu vas mettre dans ton logement commercial, les banques ont un scoring différent. Le pi, c'est l'Horeca. Voilà, l'Horeca, je sais que, en tout cas, dans les banques avec lesquelles je travaille, l'Horeca, c'est pas bon. C'est pas de bol. Moi, j'achète un commerce avec un karaoké. Bon, voilà. Choses qui arrivent. Donc, je sais que je suis pas bon. Ben voilà, on me l'a dit. Mais les paramètres sont bons pour le reste, donc c'est passé. Ben voilà, il y a des paramètres qui sont comme ça. Il faut savoir si tu as le droit de relouer ton commerce. Enfin, voilà. Alors, on continue. Ok, ça c'est aussi une question intéressante. Bon. Ça c'est compliqué, ça. Beaucoup de personnes dynamiques, ambitieuses ont leur perspective d'emploi, de revenus changée. Chômage technique, oui, mutuel, trois passerelles. Tu dois te mettre dans la peau de ton banquier. Tu dois te mettre dans la peau de ton banquier. Donc ta première barrière. Didier, ta première barrière, ça va être de convaincre ton banquier que ton projet est viable.
Donc, tu vas réellement devoir convaincre ton banquier. Et donc, il faut arriver avec un bon projet. Il faut arriver, ben voilà, pourquoi tu veux investir maintenant? Donc, tu viens de perdre tes revenus. Je dis tu, ben bon, voilà. Tu es peut-être au chômage, tu es peut-être sur des revenus. Mais est-ce que tu as des comptes en banque clairs? Est-ce que malgré ça, tu mets de l'argent de côté? Ok? Est-ce que malgré ça, tu lui prouves que tu vas pouvoir payer un prêt? Parce que déjà, si tu arrives à prouver que malgré ce qui t'arrive, tu mets de l'argent de côté, malgré ce qui t'arrive, c'est toi qui t'es serré la ceinture et que tu arrives, tu es quelqu'un en qui il peut avoir confiance parce que justement, tu es dans une situation difficile, mais malgré tout, tu arrives à mettre de l'argent de côté tous les mois. Et tu profites du fait que peut-être tu as plus de temps pour chercher mieux et tu trouves une bonne affaire et tu montres un bon projet. Okay, un bon projet. Le banquier va peut-être avoir envie de te supporter et d'aller défendre ton dossier au siège. Parce que c'est le banquier qui défend le dossier au siège. Tu vois, le dossier est envoyé au siège. Tu as de la chance, le siège dit oui, c'est bon, c'est passé. Mais c'est le banquier qui a créé le dossier, c'est pas toi. Toi, tu crées un dossier que tu donnes au banquier. Le banquier, il crée le dossier, il l'envoie au siège. Le siège, ils disent oui, ils disent non. S'ils disent non, ben c'est une discussion entre le banquier et le siège pour dire oui. Le banquier, s'il l'a envoyé au siège, c'est qu'il a envie qu'on te dise oui. Hein. Il n'envoie pas un dossier au siège pour avoir un non. Tous les banquiers, s'ils envoient quelque chose au siège ou un courtier qui envoie quelque chose à la banque, c'est pour avoir un oui. Donc, s'ils l'envoient, c'est déjà parce qu'ils ont envie. Tu vois. Et donc, voilà, il faut monter un bon dossier, trouver un bon bien, trouver quelque chose qui est rassurant pour la banque, parce que tu leur mets un risque en plus d'un côté, donc il faut les rassurer d'autant plus de l'autre côté. Peut-être, oui, aller trouver des amis qui pourraient t'aider, simplement non pas en prêtant de l'argent, mais en te mettant un lotissement. Tu leur dis, écoutez, je ne vous demande pas de me prêter de l'argent. Je te demande de mettre de l'argent à place à la banque, c'est ton argent que tu mets à place à la banque, seulement, ben voilà, tu le bloques à la banque pendant 5 ans pour m'aider en garantie. Et donc, c'est ton argent, il va fructifier, tu auras tes intérêts, et dans 5 ans, tu reprends ton argent. Tu vois? Donc, moi, je n'y touche pas. C'est la banque, tu la rassures pour moi. Tu peux peut-être essayer ça. Bon, ça dépend, encore une fois, il faut avoir un bon projet. Alors, comment continuer son projet d'investissement en zappant l'épisode Covid? Tu oublies. Tu oublies, tu oublies, tu oublies. On ne zappe pas l'épisode Covid, c'est arrivé, c'est là, ça s'est passé, l'épisode Covid, il est là, il faut faire avec. OK? Il faut juste l'accepter et voir comment faire avec l'épisode Covid et pas en zappant l'épisode Covid. Idem pour la banque. Hein. Si tu vas à la banque et tu dis à la banque, ouais, mais vous en faites pas, dans 2 ans, c'est reparti, je vais faire la colocation étudiant, ça va me rapporter tout plein de fric parce que dans 2 ans, tous les étudiants, ils vont revenir. Mais si le banquier n'est pas convaincu, il n'est pas convaincu. Hein. Moi-même qui fais la colocation étudiant, bien entendu, j'espère que les étudiants vont revenir. Mais s'ils ne reviennent pas, ben, il y a un plan B. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais que ce n'est pas toujours la réponse super blanche et noire qu'on voudrait avoir, mais c'est comme ça, quoi. La banque, c'est aussi des êtres humains qu'il faut convaincre.